En direct du terrain TMR de la ville de Mont-Royal à Montréal, vous écoutez le deuxième tour de la Coupe PLSQ 2015. Aujourd'hui, confrontation entre l'AS Blainville et le CS Mont-Royal Outremont. L'AS Blainville a battu le CS Longueuil par la marque de 4-1 au premier tour, des victoires de 2-1 et de 2-0 pour accéder au deuxième tour aujourd'hui. Du côté du CSMRO, on a obtenu un laissez-passer en battant le FC L'Assomption-Lanaudière par la marque de 6-3, des victoires respectivement de 3-2 et de 3-1 en compagnie de l'analyste et entraîneur-chef des Citadins, équipe féminine de l'UQAM, Alexandre Darroca. Mon nom est Francis Maheu, Alexandre. Aujourd'hui, confrontation relevée. Deux clubs qui ont du talent en saison régulière de la PLSQ. On s'attend à une demi-finale peut-être la plus relevée entre les deux dans cette Coupe 2015. Oui, définitivement. C'est les deux équipes, présentement, je te dirais qu'au niveau de la Ligue, on est performances les plus constantes dans le dernier mois. Donc, Blainville est venu battre ici, Outremont, chez eux, dernièrement. Donc, je m'attends vraiment à une belle confrontation entre les deux équipes. Le CS Mont-Royal Outremont, qui est présentement premier au classement de la saison régulière. 7 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. L'AS Blainville, de ce côté, ben pas pied des verts non plus. 3e place avec 4 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Selon toi, Alexandre, quels sont les joueurs à surveiller de chaque côté? Bien, je te dirais pour le CMRO, définitivement Dimitrios Anastasopoulos, qui a connu un fort match défensif lors de la dernière partie de Coupe. Aussi Sean Rosa au milieu de terrain, un jeune qui a quand même évolué pro en Italie, était formé ici au Centre national d'haute performance, fait les équipes du Québec, les équipes nationales, un milieu de terrain hyper dynamique et doué d'une bonne frappe. Il ne faut pas oublier non plus Frédéric Mougine quand même devant, que cette année il se joint au CMRO et amène une stabilité devant. Donc il marque de façon régulière à tous les matchs, donc ancien joueur aussi de l'Impact de Montréal. Donc, un joueur à surveiller. Du côté de Blainville, Maxime Lecomte. Maxime Lecomte, le général derrière, techniquement très fort, excellent en relance, très bon dans les duels. Donc, s'il est en santé, il va connaître un gros match. Et Abdoulaye Sila. Donc, Abdoulaye qui peut parfois sembler peu présent sur le terrain, reçoit un ballon, part avec une course, puis est capable de marquer aussitôt qu'il est dans la surface. Également à surveiller le numéro 17 du côté de l'AS Blainville. Mako, qui est le meneur au point de vue des buts dans cette Coupe 2015 avec 2 buts, en égalité en première place. Au retour de cette courte pause, ça va être le début de la confrontation du match. Allez, AS Blainville, CS Mont-Royal, Outremont, restez des nôtres. Retour au terrain TMR de la ville de Mont-Royal en compagnie d'Alexandre Darroca. Alexandre, parlons un peu de cette versatilité offensive du CS Mont-Royal Outremont, une équipe qui, dans la Coupe PLSQ 2015, a compté 6 buts déjà, 3 buts dans chacun de ses matchs face au FC L'Assomption-Lanaudière. Et les buts provenaient de 6 marqueurs différents. Donc, on parle ici d'une équipe vraiment dangereuse, mais un peu partout sur le terrain. Oui, tout à fait. Écoute, on a quand même Dimitrios qui a marqué lors du dernier match, qui est quand même un défenseur central. Par contre, Armel Dagro, Frédéric Mougine, Philippe Da Costa, Sean Rosa,
quatre joueurs capables de marquer des buts à tout moment dans une partie. Donc vraiment là, une force. Donc c'est, on a deux attaquants, on pourrait avoir, on a aussi des milieux qui peuvent marquer des buts et même des défenseurs. Sans oublier l'autre défenseur central, Abraham François, qui est le capitaine de cette troupe, qu'on voit souvent en situation de coup de pied arrêté, les corners ou les coups francs à certaines distances, va se retrouver au milieu de la zone dû à sa grande stature justement. Ouais. Très fort, Abraham François. Abraham François est vraiment un peu le Maxime Lecomte du côté de Outremont, un général en défense. Il est calme, il ramène ses troupes. Une expérience de joueur professionnel quand même super importante. Et il est excessivement fort de la tête, autant offensivement que défensivement. Et parlons-en un peu de l'AS Blainville. Tu parlais de Maxime Lecomte, qui était un joueur, on t'a entendu en parler un peu lors de cette première ronde de la Coupe LSQ 2015. Maxime Lecomte, qui est un joueur techniquement plus avancé, un peu meilleur que les autres. Oui, écoute, Maxime, ce qui fait sa grande qualité, c'est vraiment sa qualité de première touche, mais aussi la capacité de pouvoir jouer court, mais aussi, surtout de pouvoir jouer long, autant du pied gauche que du pied droit. Ce qui amène l'équipe adverse à jamais savoir est-ce qu'on presse Maxime haut ou on laisse jouer, parce qu'il est capable de sortir rapidement de derrière. Et tu as parlé d'entrée de jeu d'Abdoulaye Silla, un joueur à surveiller là, du côté de l'AS Blainville, un attaquant de points très dangereux, a compté lors de la confrontation premier tour contre CS Longueuil, mais a également compté 4 buts en saison régulière, égalité au 5e rang. C'est un joueur qui, bon, mais par sa présence offensive, vient faire craindre l'adversaire. Oui, mais Abdoulaye aussi une expérience européenne en formation dans un club en France, donc Abdoulaye, certainement un attaquant qui est difficile à gérer, de petite taille, mais très rapide, beaucoup de vivacité. Il est capable, devant la surface, s'il a le ballon au pied, de créer beaucoup de choses. Et l'AS Blainville, qui a connu deux victoires assez solides contre le CS Longueuil, mais tout de même des matchs très physiques. 7 cartons jaunes au total pour l'AS Blainville. C'est une troupe qui joue au-delà des limites de la légalité. Mais je vous dirais, là, dans la partie, on a eu des cartons que je suis certain que l'entraîneur a parlé à sa troupe en disant « Écoutez, les gars, on a d'autres parties à jouer d'ici la fin de la saison. On ne peut pas se permettre de prendre des fautes au moment où, justement, on mène 3-0. Le match et la série aller-retour, elle est hors de portée. » Donc oui, je pense qu'il y a une certaine indiscipline qui a eu lieu. Oui, ils ont été très physiques. D'ailleurs, c'était à leur avantage. Le CS Longueuil a la difficulté à gérer cette physicalité dans la partie. Par contre, l'AS Blainville, ils ont quand même démontré des qualités de jeu que j'ai appréciées. J'aimerais le voir, par contre, pendant 90 minutes. Du côté du CSMRO, un gardien tout de même très talentueux en Nizar Ouhou, un joueur qui a connu de très forts moments lors du premier tour justement de cette Coupe PLSQ. Ouais, Nizar, vraiment, là, est un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur gardien de la Ligue en ce moment. Donc vraiment, il est bon avec ses pieds, il est bon sur sa ligne et surtout, il a un esprit compétitif en lui qui l'aide beaucoup. Puis c'est certain qu'avoir devant lui un gars comme Abraham François l'aide énormément aussi. Il sait que devant lui, il y a quelqu'un avec beaucoup d'expérience, la communication se fait facilement. Et je connais Abraham, et Abraham doit le faire sentir très à l'aise dans ses buts. Et parlons, avant qu'on commence ce match, on voit à l'instant même la protocolaire poignée de main de début de rencontre. Parlons un peu de cet autre attaquant de pointe du côté du CS Mont-Royal Outremont, non pas Armel Dagrou, qui est lui-même très talentueux, on le voit dans le réseau RSEQ, là, un joueur qui est très fort, mais je parle de l'autre, le plus expérimenté, le vétéran Frédérico Mouyenne, qui a joué un peu même aux États-Unis à l'intérieur, joue ici et clairement il domine déjà 10 buts en saison régulière, il est bien sûr au premier rang. Ouais. Frédéric Mouyenne, c'est peu importe avec quelle équipe qu'il va jouer, il demeure toujours un renard de surface. Il va toujours trouver une façon de marquer un but, du pied gauche, du pied droit, même dans la tête à l'occasion. Vraiment un joueur excessivement, techniquement très fort. Lorsqu'il est en santé et qu'il est en forme, c'est un joueur difficile à cadrer. Effectivement, il connaît beaucoup de succès dans son camp intérieur aussi. Mais en PLFQ, on peut le dire que depuis 3 ans, c'est l'attaquant numéro 1 de la Ligue. Un joueur qui n'a toujours pas marqué. Cependant, dans cette Coupe PLSQ, les 6 compteurs du CS Mont-Royal, Anastasopoulos, Rosa, Sissoko, qui n'est pas partant aujourd'hui, un autre attaquant dangereux qui se retrouve même pas un partant. C'est assez spécial. Ça prouve à quel point on a une profondeur dans ce club. Et les autres marqueurs, Costa de Souza, Dagrou et Renan Diaz Manini. Gardien partant du côté de l'AS Blainville, Jean-Loup Gosselin, lui aussi, connu de bons matchs. Oui, écoute, même chose, hein, c'était qu'il a vraiment une présence dans son but importante, très bon dans sa surface, gardien de but avec beaucoup d'agilité. Pas le plus grand, mais il joue gros.
Poutine Borodin. Mesdames et messieurs, bon match. Messieurs les joueurs, place au spectacle. Nous avons une petite foule ici, juste assez pour dire qu'on va avoir un peu d'ambiance. Oui. Et ce sera possession CS Mont-Royal Outremont pour commencer le tout. Vous voyez justement ces deux attaquants dangereux, Mouyine et Dagrou. Deux attaquants complètement différents. Armel Dagrou, énormément de puissance, très vite. Un gaucher très doué, qui d'ailleurs, depuis 2 ans, domine le réseau universitaire québécois et canadien. Donc, le match est lancé. Bon match à tous à la maison. Si vous nous écoutez sur les ondes du RDS.ca ou encore de TVGO.ca, long ballon déjà pour Dias Manini dans l'aile gauche. On tente de centrer, dévié par le compte à l'extérieur. On va se retrouver avec le premier corner de ce match. Déjà rapide. Déjà, ballon long joué dans le dos des défenseurs sur Renan Dias. Et déjà un corner. Donc, Rosa qui va s'occuper du service, alors que numéro 5, Abraham François, défenseur central, se retrouve au milieu de la surface de réparation. On en parlait d'entrée de jeu dans ce match. Ballon profond au deuxième poteau. D'une tête renvoyée directement dans les mains de Gosselin. Oui, je pense que la tête a trouvé Frédéric Mougine. Il y avait un joueur de Blainville qui le gênait un peu, mais il a quand même pu faire un contact. Belle température ici, à la ville de Montréal. On a des nuages gris, mais il ne semble pas avoir de problème à l'horizon. Il n'y a pas de pluie, il y a seulement un soleil couvert. Oui. Alors de quoi rafraîchir un peu les ardeurs. Ça aide que ce ne soit pas trop humide. Bon, un premier tacle un peu trop musclé au goût de l'arbitre, c'était Vincent Réal. La Geneville va repartir cette attaque. Vincent Réal qui va agir à titre de milieu de terrain plus récupérateur, jouer derrière Sean Rosa. Donc, long ballon envoyé pour Rivard, cependant. Un ballon mal cadré, si vous voulez. T'es poussé à l'extérieur. Ce sera donc une rentrée de touche effectuée par Vincent Debruy. Défense latérale gauche. Long ballon profond qu'on renvoie d'une tête rapidement à l'extérieur. Visé Dagrou. Oui, Emmanuel Dumonde qui est très fort de la tête aussi. Donc, il a anticipé ce ballon et déjà un deuxième corner pour Outremont. Un ballon renvoyé dans la surface au pied. Un défenseur de Blainville, on n'a même pas pris de chance. On préfère offrir un deuxième corner déjà dans ce match. Encore une fois, on vise le deuxième poteau. Il y a une faute de Philippe Souza. Les mains dans le dos du défenseur de Blainville. Philippe Costa da Souza qui avait connu un autre gros match, lui aussi, dans le match retour face au FC L'Assomption de la Naudière, plus communément appelé dans le domaine le FC Lala. Un petit nom à saveur saguenayenne. Et donc Philippe Dacosta est un milieu de terrain qui peut jouer autant à droite qu'à gauche, mais très offensif comme joueur. Donc il sera définitivement surveillé. Ballon renvoyé sur l'aile gauche, il n'y avait aucun preneur à cet endroit. Alors c'est Rivard qui va s'occuper de la rentrée de touche. Non, c'est prolongé dans le couloir droit. C'est McCook. Aux prises face à François. Le joueur musclé, Abraham François, ici, qui a eu l'avantage d'une passe pendant qu'il vient trouver. Chebi renvoie dans l'axe. En soutien derrière, c'est Nourali sur la gauche. Tente de centrer au sol, mais c'est Anastasopoulos qui est arrivé le premier sur ce ballon. Anastasopoulos qui en a bloqué plus qu'une tentative du côté du FC L'Assomption de la Naudière dans le premier tour. Reprise de possession à Esblainville. Nanjari. En soutien derrière. On va chercher Dumorne. Passe qui est bloqué rapidement vers Dias Manini. Et on prend pas de chance, on retourne jusqu'à Jean-Loup Gosselin, le Cerbère de l'AS Blainville. Oui, donc déjà d'entrée de jeu, on voit quelques occasions. Déjà rapidement, on joue vers l'avant. Je pense que le rythme du match devrait s'augmenter de. À chaque minute. Là, tu dis ça, on a de la misère à retourner au jeu avec la rentrée de touche. Un ballon qui était fuyant. C'est Rivard qui va s'occuper encore une fois de repartir ce jeu. McCook tente la longue transversale à l'intention d'Aouman. Aouman renvoie ça dans l'axe pour Chebi. Perd contrôle cependant. Debré renvoie dans le couloir gauche. Est-ce qu'on va réussir à garder ce ballon en jeu? Oui.
Odagro, il suit le gros tac ici de Dumorne. Ouais. Dumorne qui est un joueur extrêmement physique. Les joueurs de Longueuil pourraient nous en parler. Très difficile à battre un contre un. Dumorne qui, cependant, même en étant physique, au contraire de son équipe, n'a pas obtenu de carton dans ce premier tour face au CS Longueuil, dis-je. François, tout près de la ligue médiane, prend bien son temps. François, encore une fois, dans le couloir gauche. Rivard intercepte, tente de relancer rapidement vers Silla. Pour Rivard, sur le passé vers Rivard, arrive de couper le coin. Il a été fauché, cependant. Est-ce qu'il y aura un carton ici sur Vincent Debré? Oui, carton jaune, premier de ce match. Déjà un carton. On parle pas d'une grande faute, mais par contre, il avait quand même ses mains sur les épaules de l'attaquant, de Rivard. Donc, Rivard s'est peut-être laissé un peu tomber aussi. Normalement, quand on arrive à tourner le coin et à prendre l'avantage, quand on est en possession de la balle et qu'on sent une pression dans le dos, ça donne le goût un peu de se laisser tomber. Donc, un coup franc quand même bien placé ici. Avec deux serveurs ici, ce sera Lecomte ainsi que le numéro 45, Jean-Emmanuel Aouman. Est-ce qu'Aouman va le frapper de la gauche par sur le mur ou Lecomte va le servir? Lecomte va le servir. Lecomte directement dans le mur. Ça passait proche d'être bloqué par une main. Oui. Mais l'arbitre n'a... La main protégeait le visage là-dessus, donc... Oui, c'est ça, l'arbitre... Ça aurait été très sévère comme... Tout à fait. Rivard avec la rentrée de touche pour Esmainville qui garde la possession. Makouk dans le coin, tente la talonnade pour Rivard. Cependant, c'est CSMRO les premiers sur le ballon. Dias Manini avec le beau jeu défensif. Anastasopoulos maintenant. Au sol, transversal vers la gauche. Debruy. Sans Debruy, longue passe. Bloqué par Chevy, ça retourne jusqu'à Debruy. Blainville qui donne peu d'espace au milieu de terrain. Donc, présentement, on voit les défenseurs de CMRO chercher les attaquants rapidement. Mais ils sont quand même assez couverts. Donc, voici, on trouve Moujin. Moujin qui tente de prolonger derrière la défensive. Cependant, Blainville est à l'alerte avec Lecomte. Il y avait hors-jeu sur la séquence. On joue appelé tardivement alors qu'on avait la pression de CSMRO qui s'en venait. Toujours peu de chances de marquer dans ce début de match. On est encore à l'étape où on étudie l'adversaire, ses stratégies, ses failles. Pour le moment, peut-être que la SMVL a plus de possession que le CS Montréal-Outremont, mais c'est encore un match très jeune. Long ballon qu'on renvoie dans la moitié adverse. D'une tête, on retourne en ligne médiane. Nanjari renvoie plus loin. Et après tout ça, cet échange de ping-pong, c'est Anastasopoulos, tranquillement dans sa zone, renvoie vers François. Abraham François. Une option, oui, qui s'est bien démarquée ici. Un bel appel de Dias Manini dans le couloir gauche. Arrive à garder ce ballon en jeu. Applique les freins. Évite Dumorne le long de la ligne. Vient centrer. Un ballon qui va dévier hors ligne. Mouyen qui a perdu contrôle et ce sera reprise de possession par la Esmainville. Ouais, très bien joué par Dias. Mais encore une fois, Abraham qui trouve sur une longue balle par-dessus la tête de Guillaume Rivard. C'est la deuxième fois qu'on exploite ce côté. Donc, est-ce que le CMRO a décelé une faille sur la ligne arrière de Blainville? Possible. Mais bien joué Dias. Federico aimerait revoir sûrement ce ballon qui était très bien joué par Dias. Dias avait effectué le très bel appel d'entrée de jeu alors que François avait le ballon. Dias est parti comme un sprinteur de 100 mètres dans les blocs. Costa de Souza avec le ballon remet sur la droite pour Théoli. Théoli, petite feinte de passe. On met à Costa de Souza qui perd contrôle, reprise par la Esmainville. Au centre, voici Silla. Tacle rapide effectué par Real et c'est... Possession CSMRO, Debruy. Et encore une fois, une option dans le couloir gauche. Un ballon rentrant bien fait à l'intention de Rosa. Champ de Rosa, tout près de la surface. Attention, devant Dumorne. Tenté de tirer au premier poteau et ça a été repoussé rapidement par le défenseur central de Blainville. Et voici la relance. Silla tente de percer l'axe. Cependant, il y a eu un peu trop de contact, dit l'arbitre. Donc, on a vu. Hein, Silla, est-ce que le ballon balle au pied? Il y a un peu d'espace, il va provoquer. C'est difficile pour les défenseurs de courir contre Silla. Donc, une faute bien appelée, mais
présentement, je crois que Blainville va devoir ajuster sa ligne arrière parce que Rivard joue très haut, et ce qui donne beaucoup d'espace pour le CMRO du côté gauche. Ouais, déjà trois fois qu'on attaque en distance dans ce couloir gauche, trois fois des joueurs différents. Lesnainville avec sa deuxième situation de coup de pied arrêtée dans le match. Ballon profond à l'intention de Silla. Un peu trop loin. Ouais, c'était quand même pas mal joué de la part de Lecomte. Il y a discussion entre l'arbitre là, et la... Ouais, je crois que les joueurs d'Outremont ne sont pas heureux avec les deux derniers appels de l'arbitre. Isarohu va permettre à ce jeu de reprendre. Donc il jouera long. Et on l'a dit dans ce match, hein, c'est un match serré. Sur papier, ça risque de l'être aussi sur le terrain. Deux troupes qui connaissent du succès en ligue, qui sont talentueuses de part et d'autre. CSMRO qui est premier au classement. La SBV est troisième. Alors, ce serait bien normal de voir ce match être très serré du début à la fin. Nakouk avec le contrôle. Ballon poussé en ligne par François avec son tac. C'est Rivard qui va reprendre pour la rentrée de touche. Une énième déjà pour lui dans ce match. Pour Nakouk, faute appelée sur ce dernier. Ouais. Un peu trop de contact du bassin. Donc, Nakouk s'est littéralement appuyé sur le défenseur pour l'empêcher de se rendre au ballon. Et sans débrouiller, remet au sol pour Dias Manini. François au centre, sur la droite, Anastasopoulos. Donc, couloir droit, c'est pour Mouyen, remet derrière, bien fait. On se retrouve en ligne médiane. Au centre, dans l'axe pour Real. Applique les freins pour chasser par deux joueurs. Remet tranquillement pour Rosa qui va développer le jeu sur la gauche. De Bruy, du pied gauche, tente de centrer, bien fait. Voici Mouyen à l'entrée de la surface. Joli contrôle. Une belle présence défensive en dernier lieu effectuée par Nanjari. C'est Semero qui reprend jusqu'à temps que Rivard intercepte le tout. C'est repris une autre fois par Montréal-Outremont. Voici Rosa. Derrière pour Real. On retourne derrière en retrait, tranquillement, mais sûrement, on préfère créer une occasion un peu plus esthétique. Ouais. Et on je m'attends. Un long ballon dans les mains de Gosselin. Oui, tu disais, Alexandre. Je m'attends à voir beaucoup plus de séquences comme ça de CMRO où, justement, on joue en possession. On essaie de créer des ouvertures du côté de Blainville et les exploiter parce qu'on a tellement de qualités techniques dans ce groupe qu'ils peuvent facilement avoir une série de 10, 12 ou 15 passes avant de pouvoir provoquer l'adversaire. Bon ballon ici à l'intention de Nakouk. C'était Anastasopoulos qui, encore une fois, veillait au grain. Fidèle à lui-même. Un véritable pilier, un mur de briques dans cette défensive du CS Montréal-Outremont. Définitivement une belle cohésion entre les deux arrêts centrales. Dimitrios et François qui vraiment semblent s'entendre à la merveille. Long ballon de Diagrou après que Silla ait perdu le ballon dans la surface ennemie. Diagrou tombe au sol, s'attendait bien sûr à avoir une faute. L'arbitre en a jugé autrement. Alors, Blainville qui tente la contre-attaque. Je pense qu'effectivement, il y avait peut-être faute, mais Armel s'est peut-être laissé tomber un peu trop facilement. Le couloir gauche maintenant. C'est Aouman. Pas pire coup d'épaule ici contre Anastasopoulos. Les joueurs sont solides, il n'y en a aucun qui est tombé. Nanjari, Chebi, au centre pour Silla. Il fait un peu l'effet piston, on se retrouve maintenant profondément. Ouais, Silla vient chercher des ballons très profonds au milieu de terrain. Rivard face à la défensive ici de De Bruy. Tente de déborder le tout vers la droite et De Bruy a eu l'avantage physiquement ainsi que techniquement. Il a forcé la faute ici de Rivard. Rivard qui est très haut, donc Semro a peut-être profité du côté gauche qui... Long ballon ici, une sortie très loin de son box. C'était Gosselin qui a dû y aller d'une tête bien faite dans les circonstances. Ouais. Le ballon va se retrouver hors ligne, possession CS Montréal-Outremont. On a une tendance dans ce match, là, la troupe de Luc Bernard Brutus et les griffons du CS Montréal-Outremont à jouer la passe profonde. On sent qu'on a une option en zone profonde. Ouais. Sur la dernière séquence, j'ai un loup qui agit surtout comme... Comme un ancien libéro, donc sorti loin de sa surface pour récupérer ce ballon. Mouyen maintenant, sur le côté gauche, tente de centrer, rate complètement sa frappe. Ça se retrouve dans les mains de Jean-Loup Gosselin. Ouais, je pense vraiment qu'il a
Il a vraiment manqué son sang. Aucun joueur ne semblait faire une course dans cette direction. Avec Dagrou qui était peut-être au deuxième poteau et ce tir ne s'est même pas rendu jusqu'au premier. C'est Hernandez. Hernandez tente la longue passe à l'intention de Makouk. Anastasopoulos, premier sur le ballon d'une tête, renvoie tranquillement à Ouhou. Ce fut simple. Et voici des bruits maintenant. Au sol. C'était pour Diaz qui remet derrière. Abraham François, capitaine de cette équipe, sur la droite. Anastasopoulos. Dimitrios du prénom remet au sol. On lui remet l'appareil rapidement. Et voici maintenant Théoli en possession. Théoli, petit dribble, remet pour Costa de Souza. Passé vent, on remet à Costa de Souza. Pique dans l'axe pour renvoyer du côté gauche à Debruy. Côté gauche qui sourit à CSMRO jusqu'à présent. Un ballon haut et profond à l'intention de Costa de Souza qui va venir cueillir le tout dans le coin. Face à Chebi. Un autre corner. On va appeler le corner ici. Troisième corner dans ce match pour le CSMRO. Les deux dernières fois, on a tenté le deuxième poteau, ce qui n'était pas une folle idée. Ouais. On a la qualité de Vab de la tête, c'est certain. Mais par contre, Blainville aussi sont très bons de la tête défensivement. Est-ce que Outremont va jouer éventuellement un corner court? Troisième service de Sean Rosa. Non, on vise encore. La longue balle profonde d'une tête renvoyée. Malheureusement désaxé ici. Bien repris par Philippe. Lui aussi gêné par un défenseur, donc n'était pas complètement à son aise pour pouvoir frapper ce ballon. Mais quand même cherché à jouer vers le deuxième poteau, ce qui aurait pu permettre un joueur de CMRO de le remettre dans le but ensuite. Les Griffons qui se font sentir un peu plus menaçants là, dans les derniers moments. Nanjari. Au sol pour Nour Ali. Sur la gauche, Hernandez. Envoyer le ballon de l'autre côté vers Dumont qui va laisser rouler le tout jusqu'à Rivard. Dumont. Encore une fois, on a fait gauche-droite et on se retrouve maintenant droite-gauche pour Hernandez. Au sol dans l'axe. Makouk perd contrôle. Une gelée défensive et on faute encore une fois sur le porteur du ballon du CSMRO. Ouais, les deux équipes présentement là, semblent vraiment nous présenter qu'ils veulent essayer de pénétrer le camp adverse, soit par des longues balles ou en rentrant à l'intérieur, balle au pied. Voici Aouman, tout près de la surface, à la droite. Le petit pont ici. Et Anastasopoulos arrive. Ouais, il jaillit vraiment bien et rapidement. Passe transversale qui avait été lue d'avance par Makouk. Diaz Manini, tout de même en contrôle de la balle, remet au sol pour De Bruyne. Anastasopoulos, encore une fois, sur la dernière séquence. Jaï, véritable leader défensif de l'équipe. Ouais. Théoli, tout près du banc de son équipe. Tente de prolonger dans le couloir. Mauvaise communication, il y a un joueur qui n'attendait pas cette puissante frappe au sol. Et Asmainville qui reprend. Toujours à la recherche d'un premier tir cadré. Chebi devant pour Silla, remet derrière. C'est Nour Ali qui voulait lui remettre. Pendant, ça a été intercepté par Costa de Souza qui renvoie hors ligne. Ouais, Philippe aurait peut-être dû chercher à jouer avec Ricardo Théoli. Hernandez, alors que Mouyin est en train de rattacher son soulier. Un élément plutôt important au soccer, normalement un bon soulier attaché. C'est le compte qui remet à Nanjari. Sur la gauche, Hernandez. Avec de l'espace devant lui. Un autre ballon profond. Seriez-vous surpris de vous dire que c'est Anastasopoulos, le premier, qui renvoie le tout à l'extérieur. Un ballon très, très loin qui se retrouve dans le parc de skateboard à côté. Oui, donc vraiment présentement, là, ça sera très difficile pour Blainville de passer du côté de Dimitrios. En même temps, c'est pas comme si c'était plus facile de passer du côté d'Abraham François. On l'a déjà testé ce soir et ça a été compliqué les deux fois. Voici Makouk dans la surface. Renvoie dans l'axe. Un tir profond puissant! Il s'en est fallu de peu pour que ce tir de Chebi trouve la cible. Ça a été une super frappe et vraiment avec vigueur. Et lorsqu'on dit on frappe pour marquer, c'était vraiment ce que Chebi vient de faire. Il a craqué ce tir au maximum de la puissance. Il a même eu
beaucoup de précision. En effectuant le tout, il s'en est fallu vraiment de peu. Le ballon qui est passé à peut-être un ou deux pieds au haut de la lucarne. On voit ici Dumont qui concède presque un demi-pied sur Diaz, gagner ce ballon de la tête. Très bon de la tête, Dumont. Voici Rosa, alors visiblement fauché ici par Chevy, et lui-même avoue son tort ici. Il va aller s'excuser à Chandra Rosa et recevoir le carton jaune sans trop maugréer. Ouais. Un tacle dangereux de Montasar Chebi. Première situation de coup de pied arrêté qui n'est pas un corner. Il n'avait pour le CSM Aero. Aucun doute sur cet avertissement. Oh, c'était une clé en jambe parfaite, là, digne de la, digne des combats ultimes. De Bruyer au service. On a trois joueurs en surface de réparation. On va renvoyer ce ballon au deuxième poteau. Et jaillissement de Gosselin qui vient gobiler le tout. Alors Jean-Louis Gosselin, un début de match solide. Très confiant dans ses sorties. Il renvoie ce ballon profondément pour Makouk. Une tête, c'est Anastasopoulos qui renvoie dans la moitié et demie. Hernandez. Devant. C'est Aouman qui voulait remettre derrière. Sifflet entendu. Une autre faute dans ce match. Faute de Thierry. On vise énormément Makouk depuis le début. Selon toi, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'on ne devrait pas profiter un peu de Silla qui a le pied chaud cette année? Mais je pense qu'ils peuvent continuer à jouer avec Makouk. Il n'y a pas de problème. Mais je crois par contre que tu dois trouver d'autres solutions. Tu ne peux pas toujours jouer les ballons longs. Trop simple pour un duo comme François et Anastasopoulos de s'ajuster à ses frappes. Donc, ce qu'on souhaite au soccer, c'est de embêter l'adversaire, de faut pas qu'il sache ce qui s'en vient. Donc, présentement, Blainville va devoir changer peut-être un petit peu sa façon. On a vu tantôt quand Silla est rentré balle au pied, provoqué, ça a créé une faute. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on doit chercher. On doit chercher d'autres alternatives et façons d'attaquer. Faute appelée contre un des membres des Griffons, c'était Felipe Costa de Souza. On va prendre le jeu avec Chebi sur la droite. Chebi, avec un carton jaune dans ce match, devra se tenir tranquille. Gosselin renvoie du côté de Hernandez. Hernandez, il y a un appel de Chebi, on lui envoie le ballon. Tente de renvoyer rapidement pour Nangeri, une passe qui manquait de précision et c'est la relance rapide. Voici Dagrou. Dans le couloir droit, Dagrou face à Dumont. Tente de centrer, deuxième poteau, renvoyer la tête à l'extérieur. Une reprise rapide cependant par Rosa qui ne peut tirer. Un tir qui se fait finalement. Ça a été dévié, ce tir de Costa de Souza, retrouvé en ligne déjà un quatrième corner. Et encore une fois, on exploite le côté. Là, cette fois-ci, c'est on a exploité le côté droit, donc le côté gauche de Blainville. Victor Hernandez et Guillaume Rivard qui aiment attaquer, mais présentement, CMRO profite de ces occasions pour partir devant. Premier corner du côté droit, ça va être un ballon sortant, le pied droit qui va frapper ce ballon vers la surface et non pas vers le but adverse. Encore un ballon très haut, deuxième poteau. Ballon qui tombe au pied de Costa de Souza. Feinte vers l'extérieur, arrive à garder le contrôle. Finalement, un tir de débris. Dévié du pied, c'est Silla qui va renvoyer dans le couloir pour Rivard. Rivard décampe. Passe au Makouk qui manque de précision. Intercepté. Real va relancer de l'autre côté. Alors qu'on a un joueur qui est blessé dans la surface. Alors Mouyen qui fait appel au thérapeute sportif de se retrouver sur le terrain rapidement. Un joueur qui a essuyé un bon contact ici. Je crois que c'est peut-être Ricardo Thioli. Difficile pour nous de voir le numéro d'ici. Prière de nous excuser de ce manque de précision. Nous sommes en train de regarder qui est sur le terrain pour comprendre qui est blessé. Donc, on n'a pas pu voir précisément la faute. Ça s'est produit sur le corner. Donc, le jeu s'est poursuivi. C'est peut-être Vincent Réal, non? Non, je pense que ce soit Diaz Manini. Bon, je ne vais pas essayer tous les noms, mais j'ai vu Théoli sur le terrain et Réal également. Et celui du côté gauche qui manque.
à ce 11 partant. Il semble que ce soit Renan Diaz-Manini, déjà auteur d'un but dans cette coupe. Et il était une bonne flamèche, une bonne bougie d'allumage dans ce club depuis le début du match. Arrivait à envoyer des bons ballons ou justement à faire de bonnes courses dans les couloirs. Ouais, effectivement, c'était Diaz. Donc oui, là, il a été très important à exploiter le côté droit de Blainville. Donc souhaitons qu'il pourra poursuivre. Il est que sur le côté du terrain, à vrai dire à la droite du but. Il reçoit les traitements nécessaires. Il aura peut-être une chance de revenir dans le match. Il semble que ce soit l'épaule gauche qui ait subi un violent choc. Le ballon avait été renvoyé par Montréal-Outremont à l'extérieur pour permettre à ce joueur d'être soigné. On risque de voir l'étiquette du soccer, l'étiquette du foot à sa pleine valeur. Voilà, un ballon renvoyé à l'extérieur. Et ce sera possession Griffon. Un long ballon avec une grosse puissance envoyée par Debré. Vous l'avez peut-être même entendu dans nos micros. Il était tout près de nous. Il a tout donné sur ce lancer. On voulait surprendre Rivard, pas aller sur sa tête. Oh, Dagrou, belle passe ici, 1-2, il va retrouver le ballon dans le couloir gauche. Dagrou tente de jouer de la défensive pour Mouyen. Cette balle va rouler hors ligne. Je crois que Diaz va réintégrer le terrain. En effet, bien vu. Sur le terrain en ce moment, se tient l'épaule, mais semble avoir évité le pire. Tu veux surtout pas utiliser un de tes changements aussitôt dans le match pour blessure, donc... Surtout pas remplacer un joueur de la trempe de Diaz dans ce match. Donc Luc Brutus aura encore tous ses changements pour gérer la partie d'ici la fin. Du monde pour Hernandez, côté gauche, long ballon dans le couloir. Il y a deux joueurs disponibles. Voici Yaouman, derrière, Makouk. Makouk au sol, c'est pour Nourali. Tente de remettre à Makouk sur le 1-2. Bien élu par la défensive, mais on remet le ballon rapidement. Comme ça, dans les pieds de l'adversaire. Rivard. Ouais, c'est dommage. On aurait pu avoir un contre. Il appelle de Makouk de la surface. Joli contrôle de l'épaule. Tente la bicyclette, le tout pour le tout, mais a manqué le contact avec le ballon. C'est Ouhou qui va gober le tout et renvoyer rapidement vers Théoli. Ouais, je pense que Makouk a été très ambitieux sur cette bicyclette. Geste élégant, mais quand même loin du but pour réussir à marquer sur cette occasion. De Bruy. Joli crochet ici face à Silla, mais ce dernier a repris possession. De Bruy est tombé au sol, on a appelé faute. Et De Bruy se tient lui aussi l'épaule gauche à son tour. Ouais, je pense que Silla, peut-être en voulant protéger le ballon, un coup de coude à la poitrine. On va avoir besoin encore une fois du thérapeute sportif. Un match déjà assez occupé par ce dernier. Ce qui est malheureux souvent avec ces arrêts de blessure, c'est que ça nous coupe un peu le rythme de la partie. Donc, on commençait à avoir un certain rythme qui s'installait de part et d'autre. Ouais, une certaine cohésion qui reprenait place. On a tenté les longs ballons depuis le début du match. Et là, tout à coup, les ballons connectés avec les bons pieds, les bonnes couleurs de maillot. De Bruy toujours au sol. Effectue l'étape 1 du recouvrement. Se mettre sur son fessier. Et finalement, arrive à se relever. Lui aussi, plus de peur que de mal. Une autre bonne nouvelle pour Luc Bernard Brutus. Il devrait insérer l'alignement dans les prochaines secondes. Et Diaz Manini, qui lui aussi est revenu au jeu, remet à Anastasopoulos. Parce que l'arbitre lui fera signe, donc voilà. De Bruy de retour, comme tu l'as si bien dit, Alexandre. Et voici Mouyen maintenant dans la moitié adverse. Tente de prolonger pour Théoli dans le couloir droit. C'est fait. Petit crochet vers la gauche, un autre vers la droite. Jolie présence défensive d'Hernandez ici qui renvoie le tout hors ligne. Bien alerte. Donc Théoli avait quand même la possibilité de pouvoir jouer avec Mujin en retrait sur cette occasion. Voici Mouyen. Remet pour Théoli qui tente de centrer avec puissance. Un ballon qui a été absorbé par Nanjari. Ça a passé proche d'une main, mais il a bien fait pour cacher le tout derrière son dos. Nourali renvoie d'une tête hors ligne.
C'est Montréal qui reprendra possession. Donc, souhaitons qu'on puisse reprendre un certain rythme avant la fin de cette demi. Et même donner un repos au thérapeute du sport. Il a fait des bons sprints. Real pour De Bruyne. Beaucoup de personnel dans la moitié adverse. De Bruyne s'avance profondément. Longue balle. C'est à l'intention de Dagrou. Le Fagnon s'est levé, celui du juge de ligne. Ouais. Il appelle l'hors-jeu sur Dagrou. Dagrou qui est hors-jeu lors que le ballon a quitté. Et tu connais bien Armel. Hein? Si toi, tu entraînes les citadins de l'UQAM, tu dois le voir souvent. Oui, j'ai la chance de le côtoyer régulièrement. Compétiteur assez important. Oui, un gars qui compte beaucoup. Il a beaucoup de buts pour les citadins de l'UQAM, troupe masculine. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la saison estivale, le PLSQ, Dagrou joue en compagnie de Sissoko. Et pendant le restant de l'année, Sissoko joue pour les Carabins versus Montréal. C'est presque le pire ennemi de l'UQAM. Alors, on se retrouve de coéquipier à ennemi dans le temps de même pas quelques semaines. Oui, et c'est quelque chose qu'on a de particulier au Québec où les joueurs jouent dans le réseau universitaire et le réseau civil. Donc, c'est même présentement sur le terrain Chebi qui joue avec l'UQAM, qui tantôt a fait une faute sur Armel. Donc, deux coéquipiers aussi. De quoi aider la chimie de l'équipe rendue au camp d'entraînement. Mais c'est de bonne guerre. Entrée de touche, Mont-Royal Outremont. Eux qui auront disposé du FC L'Assomption Lanaudière par la marque de 6-3 au cumulé des victoires de 3-2 et de 3-1. 6 compteurs différents pour le CSMRO. C'est quelque chose de particulier dans un tournoi. Rosa derrière, c'est pour Real qui se retrouve en ligne défensive tout à coup. Ouais. Remet pour Anastasopoulos. On voit vraiment qu'Outremont, encore une fois, là, vient de reprendre un peu le contrôle de la partie donc, et du ballon. François, profond ballon dans le couloir gauche. Et pour De Bruyne qui se retrouve dans le couloir gauche. Tente de centrer. Arrive à rejoindre Mouyen d'une tête et a été plaqué pratiquement en même temps. Il a envoyé ce ballon complètement à l'extérieur. Ouais, de la cible désirée. Et bon, on se demande s'il y avait faute là-dessus ou non. Non, c'était vraiment super bien centré de Vincent. Mais Victor Hernandez a été solide sur ce duel aérien. Donc, oui, physiquement, il s'est imposé sur Mugin, mais il n'avait pas de faute. De Bruyne pour François. CSMRO qui fait sentir sa présence un peu plus. On amène beaucoup de personnel passer la ligne médiane. On se retrouve des fois à deux défenseurs, des fois juste un seul. Mugin, hors-jeu, dit le juge de ligne. Ouais. Mugin qui est connu pour justement saigner un peu, faire son Alex Kovalev, si vous voulez, le parallèle du hockey. Ouais. Mugin qui est très intelligent, par contre, il fait face quand même à une ligne défensive qui est gérée par Maxime Lecomte, qui peut le placer rapidement en position d'hors-jeu. Gosselin s'occupera de remettre ce ballon en jeu. D'une tête, c'est remis au centre du terrain. Chebi renvoie du côté. Vous avez entendu les félicitations d'encore une fois Abraham François qui connaît un gros match. Ouais, Abraham qui démontre sur cette séquence que malgré ses quelques chandelles sur le gâteau de fête, ouais, il est encore très dominant de la tête. Un joueur vétéran, un vrai. Un vrai. Yasmanini, le retour au jeu suite à la blessure, vient s'enfarger ici dans Chebi et la faute sera sur ce dernier. Ouais, Chebi qui a empêché Diaz de pouvoir poursuivre, donc l'arbitre fait le bon appel. Vincent Real sur la droite, c'est pour Théoli. Théoli remet pour Costa de Souza qui rebrousse chemin. Real, Théoli. On sort de ce petit triangle et on retourne derrière à Dimitrios Anastasopoulos. Au sol pour Dias Manini. De Bruyne, défense latérale qui se retrouve très avancée depuis quelques minutes. De Bruyne au sol, c'est pour Dagrou. Mouyen maintenant, haut de la surface. Un tacle bien calculé ici de Lecomte qui écarte la menace, mais c'est repris rapidement par Costa de Souza dans le coin. Un super tacle là-dessus. Et il y aura faute appelée ici au haut de la surface.
Et ça sera un coup franc bien placé. Et rapidement, on voit Abraham François qui se dirige vers la surface. Ouais. Encore un coup franc qu'on pourra jouer soit directement au but ou le remettre sur nos joueurs forts de la tête. Donc, on voit aussi Dimitrios qui avance pour appuyer Abraham François de la tête. Ça veut dire qu'il ne reste que Théoli derrière. Et Vincent Réal qui n'est pas loin non plus, mais il y a beaucoup de personnel en blanc. On a Mouyenne qui... sûrement pousser la balle pour son coéquipier. Du moins, il est en position pour faire cela. Vraiment non, on tire directement dans le mur. Deuxième tir au sol, dévié par la défensive. Et c'est Chevy qui va reprendre pour dégager. On écarte la menace du côté de la AS Blainville. Ouais, je pense que ça fait deux coups francs qu'on voit tirer directement, un de chaque côté, sur des possibilités de jouer, de centrer le ballon. Par contre, on reconnaît la force de l'adversaire pour pouvoir défendre de la tête. Et on préfère tenter sa chance en tirant au but directement. Entrée de touche effectuée par Théoli. Profond dans la surface pour Mouyenne, il y a eu vilain contact entre les deux, mais on dit que Mouyenne était fautif. Ouais, c'est Mouyenne qui vraiment s'est appuyé sur Maxime Lecomte sur cette séquence. Bon ballon de Jean-Louis Gosselin. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui hein, sur le terrain. Ça vient égaliser les forces. Pas d'équipe avantagée par le positionnement ou le sens du jeu. Mais présentement, l'absence de vent et l'absence de soleil favorisent vraiment un match avec une intensité intéressante. Au ballon ici, duel aérien, avantage. Anastasopoulos qui renvoie à l'extérieur. Sans surprise. N'ajustez pas votre appareil, votre cassette ne saute pas. Oui, j'ai encore mentionné le nom d'Anastasopoulos. Chevy derrière. C'est Lecomte. Lecomte a tenté de feinter ici, Rosa. Ça faillait être une feinte de trop. Une chance qu'il y avait. Dumond qui veillait au grain ici. Contact. Entre Nanjari et... c'était Dagrou. On n'a pas appelé de faute ici. On laisse jouer. Rivard garde ce ballon en jeu. De peine et de misère. Renvoie dans l'axe pour Makouk. Makouk est quand même très fort, dos au but. Pour recevoir le ballon, on protège bien. Une bonne première touche pour s'éloigner du but. Et Aouman qui a tenté de percer et d'y aller à la méthode seul au monde. Ça a failli. Et voici Mouyenne maintenant. Tente de remettre pour Dagrou, mais c'est Lecomte qui surgit à la toute dernière seconde et redonne possession à son club. Quelle qualité technique de Lecomte qui non seulement anticipe ce jeu, mais de l'extérieur du pied, réussit une première touche qui lui permet de relancer ensuite. Tu l'as souligné avant le début du match, Alexandre Darroca, justement, ce Maxime Lecomte qui est talentueux, techniquement parlant, c'est un joueur qui a un avantage face aux autres à ce point de vue. Ouais. Rivard maintenant derrière pour Dumorne. Au sol, dans le sac central pour Nanjari. Faire reculer tranquillement, remet à Lecomte. On fond ballon côté gauche pour Aouman. Anastasopoulos fait ça comme s'il était en pratique et dégage facilement. Nourali intercepte le dégagement, mais l'envoie hors ligne en même temps, donc ce sera une rentrée de touche faite par ce même Anastasopoulos. Ouais, il prend la touche pour justement accélérer le jeu. Le voici, Anastasopoulos. Tranquillement remet derrière au capitaine François. Abraham François appelle au mouvement de Dias Malini vers lui. Va remettre à Debruy finalement pour Dias Malini. Ouais, Abraham François qui reconnaît que l'adversaire Blainville est placé profondément derrière. Donc demande à Dias de venir chercher les ballons. Voici Dagrou ici qui vient feinter Rivard dans un premier lieu. Se retrouve dans le couloir gauche. Tente de centrer, mais une belle défensive. Bien repris ici par Rivard qui a repris le bon positionnement. On se retrouve dans le coin. Rivard tente d'aller chercher la rentrée de touche et c'est bien fait. Ouais, très bien fait de Rivard là-dessus. Belle séquence pour ce dernier. Il s'est très bien ajusté là, par rapport à son début de partie. On ne voit plus vraiment là, Outremont exploiter de façon facile le côté droit de Blainville. Donc,
Ce sera ce dernier, justement, Rivard, qui s'occupera de la rentrée de touche vers McCook. McCook derrière pour Rivard. Long ballon de Chebby vers la gauche. C'est pour Aouman. Joli contrôle. Un tir qui dévie et qui manquait un peu de pep. Ça a été arrêté par Ouhou plutôt facilement. Il va relancer rapidement dans le couloir gauche pour Debruy. Un ballon qui a perdu beaucoup de force en frappant Théoli avant de se rendre au but. On aperçoit Mouyun. Un bel appel en option, mais un ballon un peu trop profond. Dumont avait l'avantage avec sa course. Ouais. Et ce dernier va dégager. D'une tête, Silla renvoie derrière. Rosa pique dans l'axe. Tente de remettre devant vers Dagrou. Il y aura faute sur le compte ici. Et une autre belle position pour un coup franc. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y avait vraiment faute. Mais peu importe. S'il y avait faute, c'était sûrement dû à un crampon sur le pied. Surtout suite au cri de Armel Dagrou qui est arrivé pas mal en même temps. Encore une fois, deux coéquipiers avec les Stadins. Armel et Maxime Lecomte. Bah, sans dire des choses dans le vestiaire en automne. Et le début du camp d'entraînement qui commence la semaine prochaine pour eux, donc... Bon, on va s'en dire beaucoup des affaires la semaine prochaine. Il sera Anastasopoulos qui sera au service d'un mur de trois joueurs devant lui. Beaucoup de personnel encore une fois dans la surface. On tente d'aller chercher un but ici pour le CSMRO. Service au deuxième poteau, rejeté de la tête. Un beau ballon rentrant ici. Par Maxime Lecomte. Et c'est Aouman qui s'occupe de déguerpir avec la balle. Remet pour McCook. Sur le côté... Il y avait une mauvaise communication entre les deux. Un ballon qui visait à Ouman, mais visiblement n'était pas à la bonne place au bon moment. On aura droit à une autre entrée de touche du CSMRO. Mouyin. Contrôle un peu erratique. Et Ouman remet encore une fois le ballon à l'adversaire. Tente la talonnade ici, c'était celle de Costa de Souza. Ça passait proche. Aouman, Nanjari, évite la pression de Dias Manini. Aussi, il se retrouve derrière le jeu. Un ballon en hauteur pour Silla. Solide présence aérienne encore une fois pour Anastasopoulos. Et une faute ici sur Rivard. On ne dira jamais assez aujourd'hui, mais... Nos arrières centraux gagnent énormément de longues balles. Donc, est-ce que les entraîneurs à la mi-temps vont discuter de la situation avec leur équipe? Un peu comme lors du match à Longueuil où Lecomte et Dumont gagnaient 100% des ballons de la tête. Et dans ce match ici, présentement, les quatre arrières centraux ont remporté tous les duels aériens. J'ai pas la statistique exacte, Alexandre, mais je pense qu'Anastasopoulos devait être pas loin de ça également dans... Le dernier match contre FC l'Assomption de la Naudière, il a vraiment dominé les airs. On se voit dans le couloir droit maintenant. Tacle glissé, bien effectué par Hernandez. Le ballon reste en jeu. Surtout que McCook et Silla ne sont pas les plus grands. Donc. Oui, Dagrou intercepte cette balle. Rosa reprend possession. Sur la gauche maintenant, Dias Manini. Cherche ses options. Applique les freins. Rosa. Chassé par Silla. Mais pour Mouyen qui repique dans l'axe, mais une belle pression défensive effectuée par Nanjari. Force la passe en soutien pour Théoli. Donc on voit Outremont qui est bien installé quand même. Jolie présence encore une fois. Maxime Lecomte en défensive. Sort au bon moment, vient planifier le tout avec brio. Si Blainville souhaite continuer à laisser la possession à Outremont, ils devront trouver une façon d'avoir une contre-attaque rapide ou une attaque placée rapide. Parce que présentement, on a vu maintenant Maxime Lecomte jaillir récupérer le ballon, mais devant lui, il avait peu de possibilités pour partir. Il se trouve un peu seul à lui-même, le pauvre. Dagrou sur la gauche, de bruit, avancé profondément en zone ennemie. Dagrou, au ballon pour Mouyen. Belle sortie, un ballon boxé par Gosselin. On se retrouve maintenant à l'extérieur. Théoli, feinte de tir. Coupe, un tir! Oh, quel tir ici de Théoli! Bien joué par Théoli ici. Ricardo Théoli du pied gauche. Une superbe touche du pied droit. Superbe touche du pied droit. Et fini avec le pied gauche. Un ballon brossé vers le deuxième poteau. Une
Belle feinte aura fait mordre l'adversaire un moment. Juste assez pour se déplacer un peu vers la gauche et y aller d'une solide frappe dans le coin supérieur gauche. Ricardo Teoli, son premier de la confrontation. Il est le 7e marqueur différent du CSMRO dans ce tournoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, 7 marqueurs différents déjà dans cette coupe. Aouman qui tente de répliquer rapidement. Et là, il y a une petite poussette un peu trop musclée. Ouais. Donc, 4e officiel qui nous indique 2 minutes d'arrêt de jeu. Ça prouve à quel point le réseau du PLSQ, tout de même, du niveau assez relevé. Un tir de la sorte de Teoli, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Un profond tir, n'était même pas proche de la surface de réparation et a décoché ça comme un professionnel. C'était un... C'est surtout le crochet de la droite qui lui ramène le ballon sur sa gauche. Et je pense pas que Jean-Loup s'attendait à cette frappe du pied gauche. Bien placé par De Teoli. Costa de Souza pour Teoli. Remet à Felipe. On développe le tout dans le couloir gauche maintenant. Diaz tente la feinte, mais bien fait par Chebby ici. Chebby qui a bien protégé le ballon là-dessus. Chebby qui est quand même techniquement très doué. Et Silla qui renvoie le ballon hors ligne. S'en veut. Hein. Une touche qui a vraiment manqué de précision ici pour Rivard. Un ballon, il n'a aucune pression sur lui. Entrée de touche de Vincent Debruy. Visait d'Agrou. Silla reprend. Arrive à éviter un adversaire. Contrôle toujours la balle, la remet derrière pour Lecomte qui va dégager en hauteur. Anastasopoulos derrière. Pour Teoli, d'une tête à François. Évite la pression et arrive à remettre à son coéquipier Réal. Remet derrière pour Ouhou. Alors qu'on se retrouve peut-être dans la dernière minute, les derniers moments de cette première mi-temps. Légèrement contrôlé en termes de possession par le CSMRO, mais du moins dominé au niveau début. 1-0 dans ce match. Ouais. Les statistiques vraiment du match démontrent vraiment que le CSMRO ont été un peu maîtres chez eux. Donc, 4 coups de pied de coin quand même déjà. Plusieurs actions vers le but et voilà. Et voilà les sifflets de l'arbitre qui se font entendre. Fin de cette première mi-temps. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette première mi-temps de la part du CSMRO? Comme tu l'as dit, d'entrée de jeu, on est allé chercher des corners. Je pense qu'on en a eu 2 dans les 2 premières minutes. On est rentré très solide. Et selon toi, quel est le point le plus marquant de cette structure offensive? Ouais. Je pense que présentement, CSMRO aime avoir la maîtrise du ballon, aime contrôler le jeu, aime être le maître du jeu, et c'est parfait. Ce que j'aime quand même bien, c'est que Blainville s'est ajusté aux attaques en début de partie de CMRO. Maintenant, ce que je pense qu'il manque, c'est que si on est pour concéder la possession un peu outremont, on doit préparer notre façon de contre-attaquer ou d'avoir une attaque placée rapide pour exploiter un peu la vitesse, parce que Makouk ici, là, ont beaucoup de vitesse. Présentement, abandonner l'idée de jouer des ballons longs vers l'axe central où présentement Anastasopoulos et François dominent dans les airs. Donc, je pense que Blainville doit maintenir le score maintenant, essayer d'exploiter quelques occasions, mais c'est vraiment loin d'être terminé. Et pour la troupe de l'AS Blainville, l'entraîneur Emmanuel Macagno, on ne se retrouve pas nécessairement en eau trouble, car si ce n'était de la frappe vraiment ahurissante de Teoli, on retourne au vestiaire avec une marque à égalité 0-0. Ouais. Donc, AS Blainville a tout de même des bons points sur lesquels profiter. Tout à fait. Et on peut le dire, c'est le seul vrai tir au but que Outremont a réussi durant la partie. Jean-Loup a dû intervenir sur certaines actions, mais ce n'était pas sur des tirs, c'était sur des centres. Donc, présentement, on a vu une belle frappe de Chebby aussi en première demi. Donc, présentement, la ligne arrière et les milieux de terrain empêchent Outremont de se rendre au but facilement. Mais t'aimerais aller chercher un but du côté de Blainville à l'étranger, peut-être d'aller chercher un match ou la victoire. Donc, c'est certain qu'on aimerait peut-être... on va trouver une façon à la mi-temps de conserver le score à 1-0, mais en laissant de marquer un but après. Alors qu'on voit justement à l'écran ce premier but, Teoli qui va reprendre contrôle. Il y a eu d'une feinte et d'un puissant tir dans la lucarne. Un ballon qui a à peine descendu dans sa trajectoire. Alors,
vraiment beaucoup trop de puissance et de précision pour le gardien Jean-Loup Gosselin. Les deux troupes qui ont des lignes défensives, surtout centrales, comme tu le précises depuis le début du match, très solides. Ben, aucune des deux équipes a réussi à les percer, l'AS Bainville, cependant, de leur côté. Toujours pas de tir cadré. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut vraiment aller créer dans la moitié adverse ou quels sont les points qu'il faut travailler pour aller chercher des tirs? Ouais, moi, je pense que présentement, surtout si les arrières Théoli et Debril décident de monter beaucoup pendant la partie. Chose qu'ils font récemment. Peut-être là. D'avoir Makouk aussi là, exploiter un côté. Peut-être aussi demander à Alessandro Nangeri ou à Nour de balle au pied provoquer, faire ressortir à l'arrière centrale balle au pied, donner un espace peut-être pour Silla et Makouk en ce moment-là. C'est ce qu'on va surveiller dans la deuxième demi pour le moment. Mi-temps de ce match, allez! Match de deuxième tour dans la Coupe LSQ 2015 à Aisne-Mainville, CS Montréal-Outremont. C'est les Griffons de CSMRO qui mènent 1-0 suite à un beau tir de Ricardo Théoli. On va faire une courte pause. Restez des nôtres pour la suite de ce match. Il est presque 16 heures. La liste va sortir. Je veux jouer parce que... Parce que je veux faire des arrêts spectaculaires. Parce que c'est un sport d'esprit d'équipe. Parce que c'est un sport de précision. Parce que c'est un sport de puissance. Parce que c'est un sport de vitesse. Parce que c'est un sport de créativité. Parce que c'est un sport de duel. Parce que c'est un sport de fierté. Que ce soit pour jouer au meilleur sport au monde avec nos amis. Ou pour être une des meilleures au monde. Il y a un rêve pour toutes. Yes, je suis là! Thank you.
De retour au terrain TMR numéro 3 ici de la ville Mont-Royal à Montréal, où le CS Montréal-Outremont mène par la marque de 1-0 grâce à une superbe frappe de Ricardo Teoli. Oui, j'ai hâte de voir s'il y a eu des changements qui ont été effectués dans les deux formations à la mi-temps. Bien sûr, on ne reçoit pas les communiqués, on n'est pas à l'époque où ici on a droit à quelqu'un qui nous amène les changements. Alors, on s'en rend compte par nous-mêmes, alors qu'un joueur va avoir un numéro qu'on ne connaît pas. Et c'est CS Blainville qui va commencer la deuxième mi-temps en possession du ballon. Le soleil qui surgit tout à coup nous force à porter des lunettes et casque d'écoute à la fois. Ouais, présentement, je ne vois pas de changement du côté Blainville. Laisse-moi se entendre. Déjà, un long ballon du côté gauche à l'intention d'Aouman. Aouman, gros contact, épaule à épaule avec Teoli. La balle va tomber hors ligne et ce sera un corner. Blainville qui démarre la partie comme... La deuxième demi, comme Outremont a démarré la partie avec une longue balle du côté gauche. Il gagne un corner. On se rend compte que la caméra n'a pas encore bougé. Un petit moment de communication. Le corner ici qui se rend point central dévié d'une tête. On écarte la menace jusqu'à temps que numéro 8, Rivard, reprenne possession. Aouman pour Rivard. Tente de centrer au point central, dévié par une tête de la défensive d'Anastasopoulos. Dacrou va reprendre et remettre à son coéquipier poussé dans le dos, c'était Réal. Ce dernier a essuyé un dur contact. Et surtout, je pense qu'il a atterri sur le ballon, donc peut-être couper le souffle quelques secondes. Alexandre Darroca, en compagnie de moi-même, Francis Mario, au commentaire. Le soleil pourrait-il être dérangeant vu qu'il est plutôt bas? Toutes les personnes qui vont se retrouver de notre côté du terrain, si on veut, le côté gauche pour l'AS Blainville, le côté droit pour Montréal-Outremont. Est-ce que ça peut venir compliquer la tâche un peu? Présentement, il quand même il baisse. L'avantage qu'on a, c'est qu'il baisse sur la largeur du terrain, non pas sur la longueur du terrain. Donc, pour les gardiens de but surtout, c'est là où la plupart du temps on a des difficultés avec le soleil. Je pense pas que présentement ça va être un facteur trop important. Anastasopoulos remet derrière pour Abraham François, plutôt tranquillement. Balle profonde, déviée par Dumorne. On tente de renvoyer un long ballon rapidement pour McCook. McCook, contrôle, et oui, cette balle a touché son bras. Ouais, le ballon a remonté sur le ballon de McCook. Le bras de McCook ici redonne possession ACS Montréal-Outremont. C'est Nizar Ouhou qui va s'occuper du service. Alors, on sait à quel point un but, l'AS Blainville pourrait faire du bien ici. C'est une compétition avec des principes de match aller-retour. Un but à l'étranger vaudrait pour beaucoup. Surtout si on arrive à égaliser en plus, on se donnerait une belle marge de manœuvre pour le match retour lors du prochain mois. Ouais, je pense que présentement, ce qu'on souhaite surtout faire du côté de Blainville, c'est de marquer un but. Donc autant pour revenir dans le match et prendre un point. Rosa remet sur le côté à son coéquipier qui tente de centrer au-delà de la surface. C'était pour Dagrou. Rejeté d'une tête par Lecomte. CSMRO garde le ballon en territoire ennemi cependant. Teoli dans l'axe, un ballon qui va éviter toutes les têtes qui étaient présentes dans ce saut. Il y a un dégagement de Rivard qui va être dévié par Diaz Manini. On se retrouve hors ligne bien sûr. Donc est-ce qu'on va revoir autrement, reprendre de là où ils ont laissé? Moi, c'est eux qui reprennent possession à ce moment même, et c'est De Bruy qui va s'occuper de la rentrée de touche. Vise Rosa, tout près de la surface. Rosa avec vitesse, tente de centrer pour Mouyen. Un ballon un peu profond. Mouyen voulait contrôler et ramener cette balle vers lui. Finalement, il l'a repoussé plus loin, permettre le dégagement de Blainville, celui de Aouman. Et voici Silla. La remise devant, c'était pour Mako qui était un peu seul au monde. Finalement, attend. Un peu d'aide remet sur la droite pour Rivard. McCook, mise au sol par De Bruy. On va appeler faute sur ce contact. Alors, une belle position pour y aller d'un ballon dans la surface. Oui, exact. Donc, on va voir comment on va jouer ce ballon.
Du moins, le personnel semble préciser qu'on va y aller avec un ballon profond tout près du but adverse, celui de Nizarouhou. On va attendre que Dumonde se rende avant d'envoyer ce ballon. Et Emmanuel Dumonde qui est pas un petit gars non plus. Ballon premier poteau. Il n'y avait que Ouhou présent pour capter le tout. Aucun maillot bleu dans un rayon de 5 mètres. Ce dernier va dégager plutôt facilement. Nizarouhou n'a pas été testé depuis le début du match. Si ce n'est peut-être que ce centre raté. De son côté, Jean-Louis Gosselin aussi avait un match plutôt tranquille jusqu'à temps que Ricardo Teoli en fasse autrement. Et la Mako qui arrive à retrouver Sylla au de la surface. Sylla, fin de tir, remet finalement sur le côté gauche. Aouman tente de centrer, visiblement manquait de force. Et c'est Teoli qui rejette le tout hors ligne. Sur la séquence, on a vu Mako qui s'est bien servi de son corps pour battre François et remettre à Sylla. Donc, qui amène un deuxième corner, déjà un deuxième demi pour Blainville. Aouman au service. Deuxième poteau. Personne là et s'est renvoyé facilement par Dias Manini à l'extérieur de la surface dangereuse. Aouman, deuxième tentative, deuxième poteau une autre fois. Il avait une option en Sylla qui n'a pu tirer. Un tir finalement du Morne qui accroche Sylla dans la surface et le dégagement s'ensuit. On évite le pire du côté de CSMRO. C'est Rosa prise au piège ici par Aouman. Arrive à contrôler le ballon face à deux adversaires finalement fauchés par le troisième. On va appeler la première faute. Alors le ballon va se retrouver tout de même en belle position. Et même si c'était la troisième faute qui avait eu lieu. Oui. Ou plutôt la faute sur le troisième joueur devait agir. Ben, on n'était pas plus dans la surface de réparation. Donc il n'y avait pas matière à pénalty, mais tout de même une belle position pour le coup de pied arrêté. Oui. Et surtout, Aouman qui provoque balle au pied. Attaque sur trois joueurs d'Outremont. Réussissant à en battre deux, le troisième doit prendre la faute avant qu'il rentre dans la surface. Service de Lecomte. Rapide, c'est au premier poteau pour McCook, mais la défensive veillait au grain ici. Dumonde remet derrière. Et Esmainville va garder possession. On écarte la menace encore une fois. Esmainville qui se fait un peu plus dangereux depuis les cinq dernières minutes. Oui, tout à fait. On voit Esmainville qui a fait les ajustements nécessaires. Donc, Emmanuel Macagnon, entraîneur, qui a son expérience le sert. Et là, c'est Dias Manini. Arrive à stopper le jeu pour remettre à Rosa derrière. Rosa. Dias. De Bruy. Tenter de centrer au sol. Hernandez va dégager en hauteur jusqu'à De Bruy qui va laisser tomber le tout hors ligne. Et reprendre bien sûr la rentrée de touche. Rosa. Évite le tacle adverse, arrive à remettre à Mouyen au haut de la surface. Mouyen chute, mais aucune faute appelée ici. Oh, il n'y avait pas matière à faute non plus. Voici Teoli, auteur du seul but dans ce match. Tente de feinter Sylla. Et ce dernier, Abdoulaye Sylla, était un peu trop dans les baskets de l'adversaire au goût de l'arbitre. Oui, mais les deux se battaient. On voit que physiquement, Thioli a un avantage sur Sylla. Donc Sylla s'est servi un peu de ses mains pour essayer de contourner Thioli. Abraham François devant pour Dagrou. Ce dernier avait pratiquement chuté avant de recevoir la balle. Alors Blainville reprend possession. C'est Rivard qui se porte à l'attaque finalement. Vous le remettre pour McCook. Ce dernier a lui aussi visité le sol. Et ce sera possession. C'est SMRO. Rivard qui adore se porter devant, appuyer ses milieux de terrain et ses attaquants pour créer de l'espace. Et Dumonde et Lecomte en général réussissent à être bien placés en couverture. Une longue rentrée de touche, oui, pour Armel Dagrou. Il a reçu un dur contact de l'adversaire, faute appelée. Ce dernier est toujours au sol. La course du thérapeute va être moins longue cette fois-ci. Juste à côté du banc. Toujours bien apprécié. De Bruy remet tranquillement à Rosa qui lui remet l'appareil. De Bruy tranquillement sur la gauche pour Real qui va derrière à Anastasopoulos. Dimitrios, long ballon, c'était pour Rosa. La ligne défensive était bien présente là-dessus. Dumonde s'est replié rapidement.
Donc voilà, longue balle qui sera jouée et gagnée par Abraham François. Chebby remet pour Makouk dans le couloir droit. Makouk va tenter de centrer. Non, finalement, il va d'une talonnade derrière, mais il n'y avait personne. Il voulait rejoindre un Chebby qui était plutôt distant. La défensive était simple ici pour les Griffons. Dumont reprend possession pour son club. Hernandez maintenant dans la moitié et demie. Passe devant pour Makouk, une passe qui a dévié plus d'une fois et ça retourne au pied de Dias Manieni. Dagrou maintenant tente le crochet. Seul au monde face à trois joueurs adverses. Arrive à redonner possession à son club. Gros travail ici de Dagrou. Rosa maintenant. Anastasopoulos. Remet pour Rosa. Jean de Rosa applique les freins. Sylla qui le suivait rapidement. Anastasopoulos sur la droite. Théoli. Au sol devant, c'est pour Mouyen. Petit dribble. Stop le jeu pousse dans le couloir pour Rosa qui est en fin de course. Légèrement essoufflé, cette balle s'est retrouvée en ligne de toute façon. Ouais, Rosa qui aurait pu anticiper la passe de Mugen et partir en course rapidement, est parti au même moment que le ballon, donc facile pour Blainville pour la défendre là-dessus. Tenter un long ballon pour Aouman, mais la frappe a rapidement dévié sur un joueur du CSMRO, si bien que Théoli a pu reprendre pendant un court moment avant de remettre en ligne. Sylla, chassé ici, c'était par Costa de Souza. Il arrive à reprendre possession jusqu'à temps qu'Hernandez stoppe le tout. Dumorne. Hernandez, ou plutôt, c'était Nanjari. Mais devant, c'est pour Makouk, qui plus souvent qu'à son tour aujourd'hui a visité le gazon, du moins en deuxième demi. Alors, un dur contact ici entre deux joueurs. Mouyun a donné un solide coup d'épaule. Ouais. À Chebby, on aurait dit un plaquage au hockey. Ouais, effectivement, Mouyun a peut-être levé le coude un peu haut à la poitrine de Chebby. Il se verra certainement donner un carton ou du moins un avertissement verbal à l'arbitre. Lui qui tente de parler à Mouyun seulement. Ainsi qu'à Dumont. Communication entre les deux. Ouais, parce que Dumont est venu tout de suite défendre son partenaire. Il a accéléré vers Mugen. Et personne ne s'en sort avec un carton dans cette séquence finalement. Chanceux. Oui, il y avait peut-être matière à un carton jaune ici pour ouais. Federico Mouyen. Lui qui n'en a toujours pas dans ce tournoi. Qui n'a toujours pas marqué non plus. La misère à noircir la feuille de pointage. De quelconque façon. Présentement, l'entraîneur ne va pas s'en plaindre. Il mène dans ce match et peut-être qu'il se dit que Mugen garde les buts pour la finale. Ou le deuxième match. Un deuxième match aujourd'hui dans cette Coupe PLSQ 2015 qui sera également présenté sur le RDS.ca ou sur le TVGO.ca. C'est vous qui décidez. On aura droit à la confrontation FC Gatineau, champion de la dernière Coupe PLSQ 2014, contre le Lakeshore SC, qui a su se débarrasser du Ottawa Fury FC, oui, dans le premier tour. Ce sera tout de suite après, deux à Kirkland. Deux équipes d'expansion qui s'affrontaient lors de ce premier tour. Hein. Jean-Loup Gosselin qui prend son temps avant de remettre ce ballon en jeu. Ballon long dans le couloir gauche. Aouman d'une tête remet en hauteur. Il y a un joueur qui a fait du body surfing ici. Nour Ali sur le dos de Real. La chute a été assez impressionnante. Il y aura un changement du côté de Blainville. Et alors, Blainville procède à son premier changement. C'est Chebby qui va retourner au banc des siens, laisser sa place à Pierre Jolins Rancy. Ouais. Chebby qui est impliqué dans le dernier duel à Mugen. Maxime Lecomte aura situation de coup de pied arrêté en
territoire ennemi. On va renvoyer ce ballon au point central d'une tête déviée, finalement. Ouhou arrive à gober le tout en sautant. Ouais, n'a pas assez proche de retrouver la tête du coéquipier directement au point central. Je crois que malheureusement, Hernandez n'y a pas touché. Je crois que s'il lui touche, possiblement qu'il redirige le ballon dans une trajectoire différente. Et potentiellement, Ouhou n'a pas autant de facilité à arrêter ce ballon. Un ballon bien frappé par Lecomte. Nourali passe au sol qui est intercepté par Real. Dias Malini. En couloir, on tente de prolonger pour Rosa. C'est pas une folle idée, mais ça manquait un peu de précision. Les entraîneurs d'Outremont qui demandent à ses joueurs de presser plus haut. Voilà, il y a eu un gros contact ici entre Rancy qui vient de faire son entrée au jeu et De Bruy. Un bon coup d'avant-bras dans le dos. Ballon dégagé rapidement par ce même De Bruy. Dagrou poussé dans le droit par Dumorne. Ça joue, dit l'arbitre. Si Lecomte faisait face à un barrage de maillot blanc, c'est Dias Malini qui reprend. Mais derrière, De Bruy qui allait au sol. Intercepté par Rancy. Outremont aurait intérêt à revenir, à faire voyager le ballon de gauche à droite. Ils n'ont pas seulement joué verticalement. Donc, beaucoup de pertes de ballon dans les dernières 5-6 minutes pour Outremont. Hernandez pour Dumorne. Profondément dans le couloir droit. McCook encore une fois au sol. Il y a un dégagement dévié à l'extérieur. C'était Rivard qui s'était avancé très très loin dans le territoire ennemi. On va procéder à une autre entrée de touche. Dagrou. Faire contrôle. Mais garde possession. Est-ce qu'il y a un changement qui s'en vient? C'est ça que je suis en train de me demander. Oui, le voilà. Alors, cette fois-ci, c'est du côté des Griffons du CS Montréal-Outremont. Donc, c'est Sissoko qui embarque pour Armel Dagrou. Alors, un changement tout RSEQ. Oui. Adama Sissoko qui, dans ce tournoi, a un but et également un carton jaune. Faute appelée, possession CSMRO. Ou plutôt, AS Blainville, devrais-je dire. C'est Lecomte qui va renvoyer profondément. Vise encore Silla. Belle sortie de Nizar Ouhou qui empêche le tout de progresser. Un match sans flamèche pour Ouhou, mais arrive à être solide. Il n'y avait aucun doute qu'il prenait ce ballon. Ballon profond à Nandez qui va remettre sur le côté à Ouman. Remet au centre pour Nanjari qui s'est fait bloquer la route par Rosa. Alors, a préféré retourner sur ses pas derrière jusqu'au gardien. Oui, c'est peut-être un ajustement qu'on a vu en à la mi-temps. Mais Sean Rosa qui est beaucoup plus près de Nanjari qu'il est en première demi. Donc, ce qui force Nanjari à jouer derrière plus souvent. Lecomte pour Hernandez. C'est Nanjari. Mais sur la droite, c'est pour Rivard en pleine vitesse. Il voulait remettre pour McCook, mais François est arrivé tout à coup, juste comme ça, pour bloquer la trajectoire. Dias Malini dans le coin. Dégage. La balle directement sur Girard. On va aller chercher un coup de pied du gardien. On a vu très peu de coups de pied de but. Alors, Hicham Mako, qui avait de la misère un peu dans ce début de deuxième demi, retrouve son chemin jusqu'au banc. Va laisser la place à Berlin Jean-Gilles.
Déjà un deuxième changement pour l'AS Blainville. Couloir gauche, le CS Mont-Royal, Outremont. Tente de développer une attaque. Sissoko, premier contrôle de balle dans ce match. Il y avait une grosse bataille ici face à son adversaire, perd contrôle et on redonne possession à l'AS Blainville. Les deux équipes qui ont deux attaquants aux jambes fraîches qui sont embarqués dans les dernières minutes. Donc, on va voir si ça leur a un impact. Donc, Sissoko ici qui remet le ballon. Oui, Sissoko qui connecte bien avec Rosa en pleine vitesse. Rosa, un tir plutôt tenté de centrer pour Mouyen. Ça a passé tout près de fonctionner. On garde la possession cependant ici avec Costa de Souza. Jolie feinte de Souza. De retour dans la surface. Renvoie le ballon dans l'axe. Un tir. C'est vraiment dommage que toute cette action se termine sans un tir au but. Et le tir de Dias Manini qui visite la stratosphère ici à Ville-Mont-Royal. Cependant, un tir qui a dévié sur un joueur de l'AS Blainville. On se retrouve donc avec un autre corner pour la troupe de Luc Bernard Brutus. Sissoko qui a vraiment trouvé Sean Rosa dans une course. Du côté droit de la défense, il réussit à pénétrer. Par contre, son ballon est mal dosé pour le remettre à Mujin qui était complètement seul, qui aurait pu marquer son premier but de la compétition. Encore une fois, Sean Rosa au service. Point central. Sortie réussie de Jean-Loup Gosselin pendant un court moment. A perdu contrôle du ballon, mais a pu le reprendre. Ouais. Longue balle, on tente d'aller chercher. Berlin Jean-Gilles qui veut remettre rapidement à son coéquipier Rancy, cependant, a tiré un peu trop sur le gilet de l'adversaire. C'était très bien vu de Jean-Loup Gosselin qui a trouvé Jean-Gilles en situation 1 contre 1 avec très peu de couverture du côté d'Outremont. Relance rapidement et on s'est retrouvé dans une situation où on aurait pu quand même. Si Jean-Gilles avait eu un peu plus de support, on aurait pu avoir une action au but. Vincent Réal. Devant, c'est pour Mouyen qui veut envoyer Sissoko derrière la défensive, celle de Lecomte. Sissoko dans le coin, un peu prise au piège. On ressort facilement, on remet finalement à Rosa, haut de la surface. Rosa pique dans l'axe, c'est un jaillissement défensif très bien calculé ici. C'est celui de Nanjari. Théoli au sol. 1-2 pour Théoli qui se retrouve dans le coin. Le centre dévié par Hernandez, ce sera un autre corner. Et un deuxième ballon perdu. Oui, ce ballon se retrouve maintenant dans la garderie. La garderie derrière le terrain. C'était une belle construction sur cette séquence encore une fois. On a tenté d'exploiter le côté gauche à défense cette fois-ci de Outremont. Sean Rosa, un des 7 marqueurs différents de ce club au service, remet tranquillement au sol. Le premier corner joué court dans ce match. Costa de Souza en tête centrée. C'est repris finalement par les Griffons. Anastasopoulos. Il y a la faute aussi là, ici. Et on aurait pu laisser jouer l'avantage quand même. L'arbitre a préféré stopper le jeu à ce moment même. Une autre belle position ici pour le CS Montréal-Outremont. Deux joueurs qui s'offrent au service, Vincent Debruy ainsi que Philippe Costa de Souza. Ouais, je crois que Philippe vous prendra ce ballon. Du pied gauche, maintenant, est-ce qu'il va frapper au but? Je sais qu'en première demi, il a frappé le mur. Est-ce qu'il va faire une remise? Costa de Souza, un tir qui dévie et arrêté! Jolie parade ici de la part de Jean-Loup Gosselin. Ouais, bien frappé par Philippe. Et d'une tête du monde qui dégage devant, reprise de possession par Esmainville, développe le jeu sur l'aile gauche. Aouman tente de centrer rapidement. Ballon qui manque. Énormément de précision qui se retrouve directement dans les mains de Nizarouhou. Un très beau repli aussi de Souza sur cette séquence qui a empêché justement Aouman d'avoir beaucoup de temps. Il précipite son centre et perd le... Oui, là, la relance de Montréal-Outremont était vive, rapide, un peu trop rapide même pour Nanjari en défensive. Un autre plaquage digne du hockey. Épaule à épaule. Envoyé.
C'était Anastasopoulos au sol, si je ne m'abuse. Oui. Une autre belle position, encore une fois, pour la troupe de Luc Bernard Brutus, qui ne mène que par un seul but jusqu'à présent. Pourrait venir doubler la marque. On peut s'attendre à voir Mujin frapper ce ballon. Pas de personnel dans la surface pour le CSMRO. Que trois joueurs. Finalement, quatre avec l'arrivée de Rosa. C'est une position qu'il aime bien, Mujin. Tir de Moyenne. Voilà. Et l'arrêt en dernier lieu de la part de Gosselin. Un tir bien placé dans le coin supérieur gauche. Ouais, on essaye de profiter de la taille de Jean-Loup pour essayer de mettre des ballons dans le haut du filet. Un peu comme Ricardo Teoli aura fait en première demi avec ce seul but du match. Mais Jean-Loup fait une belle arrêt là-dessus. Premier poteau, le ballon va lui revenir. Rosa pour Sissoko. On sort de la surface. Un tir de loin et un autre bel arrêt ici de Jean-Loup Gosselin qui se démarque. Ouais, superbe arrêt. Superbe arrêt. Et quelle frappe de Diaz. Et je voulais mentionner justement Sissoko qui, depuis qu'il est rentré, il contribue à garder possession et de mettre des joueurs dans la situation qui peuvent marquer des buts. On appelle l'hors-jeu ici. Ouais, hors-jeu. Un tir qui n'aura servi à rien. On a tenté de jouer le corner rapide et court. Il y a un système de passe triangulaire entre Sissoko, Diaz, Manini ainsi que Rosa. Pas fou comme idée, mais la défensive et la ligne de défense de l'AS Blainville avaient bien sniffé le tout. Et c'est surtout le deuxième corner consécutif joué court par CMRO. Donc, j'aime les intentions de varier ce qu'on veut faire. L'AS Blainville qui écarte la menace, encore une fois, toujours à la recherche d'un premier tir solide sur la cage adverse. Sortie très osée de la part de Gosselin, mais qui réussit. Et c'est encore Sissoko qui a mis ce ballon pour Mujin. Oui, là, il y a eu un contact entre Anastasopoulos et Berlin Jean-Gilles. Ce dernier lui a donné une petite taloche derrière la tête et rapidement reçoit un carton jaune. Bien comme sûr, comportement répréhensible, normalement, une claque, n'est-ce pas, Alexandre Barocca? Tout comme le match contre Longueuil, le deuxième match qui s'est déroulé à Longueuil, Blainville qui se met dans une situation de carton, selon moi, inutile. Une chance, Anastasopoulos qui avait la couette, justement, il vient absorber le contact de la taloche de Berlin Jean-Gilles. Nourali sera intercepté. C'est Sissoko qui reprend dans l'axe. Applique les freins. Sur la droite maintenant. Costa de Souza. Devant Nourali, l'évite. Se retrouve tout point de la ligne. Oh, un ballon centré, dévié par la défensive de Dumont. Et ce dernier, il va de des indications plutôt volubiles. Ouais, très bien joué par Costa de Souza sur cette séquence qui réussit à dribbler un joueur. Remet un ballon dans la surface. Au sol, qui aurait pu être joué par deux de ses partenaires, mais l'AS Blainville a su dégager ce ballon. Entrée de touche qui a raté un peu ici. C'est Silla qui va reprendre pour dégager. Ballon en hauteur pour Jean-Gilles. Intercepté par Abraham François. Il évite la pression et peut remettre à Théoli. Devance pour Costa de Souza. Retrouve Sissoko, laissé seul. On dit que c'est en jeu. Il est en Sissoko. Il est en jeu. Devant pour Mouyenne. Et on double la marque. Très belle connexion ici. Sissoko retrouve Mouyen du côté gauche. Et son premier but du tournoi, le huitième marqueur différent du CSMRO en Coupe LSQ 2015. Malheureusement, léger flottement du côté de la défense. La ligne arrière de Blainville qui permet à Sissoko d'être en jeu. Qui trouve Mujin, qui met un ballon sans aucune hésitation dans la lucarne. Très belle séquence. Et quand on parle de faire des changements qui apportent à une équipe, je pense que Dagro a... Oui, une belle passe ici effectuée par Costa de Souza qui a su trouver Sissoko juste au bon moment avant d'être hors-jeu. Il me semble que c'est la défense de l'autre côté, la défense latérale droite qui est un peu trop profonde. Et ce que je disais justement avant, c'est sûr. Oh, il a un ballon hauteur. Désolé de t'interrompre, mais c'est Rosa qui attaque. C'est Rosa, les voilà, juste comme ça. 3-0, Sean Rosa. Et encore fois, qui donne cette passe? Sissoko. Sissoko embarque dans ce match.
et tous les ballons qu'il touche depuis les 5-6 dernières minutes, il trouve un espace et souvent un espace avec un partenaire prêt. Et c'est en dedans de 5 minutes que l'AS Blainville se retrouve maintenant en eau trouble. Deux buts donnés dans ce match aller, c'est maintenant 3-0. Magnifique, magnifique passe surélevée de la part de Sissoko. L'intention du pied droit de Rosa, une passe parfaite dans les conditions. Ouais. Et là, ça fait deux fois que du côté d'Hernandez, on trouve un flottement. Donc, maintenant, Blainville va se concentrer, revenir dans le match. Seulement en pensant à marquer un but. C'est Rosa, suite à l'interception de Sissoko et la passe de Mouyen. Mouyen derrière pour Diaz-Manini. Costa de Souza dans l'axe. On ouvre sur la droite. Teoli. Felipe. Tranquillement et sagement derrière pour François. Du côté d'Outremont, faut seulement garder le ballon. Éviter des contacts inutiles. Éviter de prendre des cartons aussi inutiles. Faut appeler sur le tag de Rivard. Tente bien sûr par tous les moyens d'aller reprendre possession d'une balle et peut-être enfiler l'aiguille ne serait-ce qu'une fois dans le match. Sissoko, jolie feinte, ça donne un peu plus d'espace pour manœuvrer. En vitesse, Adama Sissoko. Le drift vers la droite. Arrive à éviter la pression défensive ici de la part de Lecomte. Il aura évité tout le monde et aura gagné un corner pour son club. Ouais. Et Sissoko qui n'a pas peur. C'est certain qu'avec un score 3-0, tu es plus prêt à prendre des risques. Donc. Alors, le changement de Luc Bernard Brutus qui lui sourit. On a changé un Dagrou. Tout de même solide pour un Sissoko. Très productif. Théoli renvoie une balle profondément en surface. Il y avait hors-jeu, dit le juge de ligne. Alors, c'est Gosselin qui va reprendre ce jeu. Le pauvre qui a fait face à deux tirs des ligues majeures dans cette... ou plutôt trois tirs des ligues majeures dans ce match. Ouais, je pense pas qu'il puisse... il puisse s'en vouloir pour aucun des trois buts en ce moment, même qu'il a... Il a gardé l'équipe dans le match. Oui, avec deux solides arrêts. Deux très belles arrêts avant les deux buts, donc... Et Blainville toujours à la recherche d'un premier tir cadré franc. Un vrai, un bon. Ballon en hauteur, François rejette devant pour Felipe. Real remet devant, contact un peu vilain avec Rancy. Il y aura faute sur ce dernier. Mmh. C'est déjà sa deuxième faute assez importante pour Rancy, qui a d'ailleurs un carton, je crois, dans ce match. Il y a également Bernard Jean-Gilles qui en a eu un, donc son deuxième dans le tournoi déjà. Le numéro 11 de l'AS Blainville. Alors, un joueur avec beaucoup d'émotion. Costa de Souza. Fauché légèrement par Silla. L'arbitre dit que ça joue. Aouman. Devant, c'est pour Jean-Gilles. Hors jeu. Il y a eu un peu d'escarmouche entre lui et Anastasopoulos. Vous comprendrez que c'est les deux joueurs qui avaient eu déjà maille à partir un peu plus tôt dans ce match, qui avait résulté à un carton jaune de Jean-Gilles. Oui. La discussion entre Nizar Ouhou ainsi qu'un joueur de l'AS Blainville. C'est pour dire à quel Silla. Point ça commence à se réchauffer. Silla qui essaie de protéger Jean-Gilles et Ouhou qui est allé le voir pour lui pour empêcher que les choses dégénèrent. C'est pas le moment où on veut que ça dégénère avec 3-0. Un match retour qui aura lieu d'ici quelques temps. Et surtout un match pratiquement perdu d'avance ici pour l'AS Blainville, quoi qu'un but pourrait faire du bien. Oui, le match retour qui est quand même le 5 septembre. Et on enlève l'auteur de ce premier but, un tir magnifique dans le coin supérieur gauche, Ricardo Teoli. Et c'est Samuel Thomas qui va venir prendre sa place, lui qui a également joué dans le premier tour du tournoi. On en est à deux changements de chaque côté jusqu'à présent. On a
Anastasopoulos remet au sol rapidement pour Thomas qui va aller prendre la place en latéral gauche à la place de Debruy. Ce dernier, vous comprendrez, se retrouve en latéral droite. Long ballon qui retourne jusqu'à Gosselin. Alors, les changements de l'entraîneur Emmanuel Macagno du côté d'AS Blainville auront été plutôt houleux avec Rancy et Jean-Gilles qui sont rentrés. Les deux ont connu des difficultés physiques face à l'adversaire. On s'est mal entendu avec ces derniers. Tandis que du côté de Luc Bernard-Brutus, mais les changements lui ont plus souri. Sissoko, qui est rentré et qui est l'auteur, pas vraiment l'auteur des deux buts, car c'est pas lui qui l'a compté, mais disons qu'il a fait la préface. Oui, c'est quand même lui qui met la table pour les deux buts, sur des actions collectives importantes, mais vraiment, Sissoko, très altruiste, qui... Vous l'aurez sûrement entendu, c'est Mouyen qui va retourner au banc dans une course gagnante. On veut le garder en forme. Il va laisser sa place au numéro 8, Ibrahim Baldé. Ouais, je pense que CMRO maintenant va mettre Sean Rosa devant et laisser Baldé au milieu de terrain. Un joueur milieu de terrain très défensif, donc qui pourra aider à la conservation du score. Et Sean Rosa qui se retrouve devant, voilà. Donc, Hernandez demande pour Nanjari. Ouvre le jeu sur la gauche. L'intention d'Aouman, 1-2 pour ce dernier. Une balle qui manque un peu de précision. Et c'est Anastasopoulos qui n'en demandait pas tant. C'est important pour un réserviste, ou comme j'aime les appeler, les finishers, de comprendre leur rôle. Qu'ils jouent 60, 90 ou 15 ou 20, ils embarquent avec une certaine mission. On a vu Sissoko qui, en ce moment, a vraiment pris sa mission très au sérieux. Oui, la possibilité de 2 contre 1. Costa de Souza avec Rosa. Et un joli jeu défensif ici du monde qui vient avorter le tout. Ouais, dommage. Si Costa de Souza trouve Sean Rosa sur cette séquence, il est seul devant le gardien. C'est 4-0 et on en est presque avec les carottes cuites, même pour le deuxième match retour. Il aurait fallu compter 5 buts après ça. Ouais, ça aurait été un peu plus compliqué. Tu parlais des finishers, c'est intéressant. Je pense que c'est un élément que la femme de Patrice Bernier n'aura pas compris lors des derniers jours. Centre de Rosa qui dévie à l'extérieur. C'est intéressant de voir d'ailleurs ce qui va se passer avec le capitaine de l'Impact lors des prochains jours. Ouais, c'est vraiment une situation qui n'est sans pas facile pour lui. Et présentement, le club doit gérer cette crise. Souhaitons que... pour ce grand athlète, le dénouement sera heureux. Oui, qu'il puisse bien finir sa carrière. Hein. C'était pas nécessaire dans sa carrière, un élément de la sorte. C'est Berlin Jean-Gilles qui applique les freins dans le couloir gauche alors que j'en perds ma voix. Un joueur qui est arrivé pour donner un gros contexte, Diaz Manini. Et Jean-Gilles est resté très solide sur ses deux jambes. Ouais. Parle d'un joueur tout en muscles. Entrée de touche de Vincent Debruy. On vise Rosa, finalement on va laisser tomber jusqu'à Sissoko. Joueur qui gérait les deux dernières secondes, c'est Lecomte. Sissoko tente de voler à Aouman. C'est le dernier dribble devant lui. Deux fois plutôt qu'une. Une troisième fois, pourquoi pas. Et remet à Lecomte finalement. Bien joué par Aouman dans sa zone. Il est bien trouvé, surtout Maxime Lecomte s'est mis dans une position favorable pour l'aider. Talonnade de Lecomte ici pour Nanjari. Sur la gauche, Nourali. Il a une option à la gauche et Aouman. Dans le couloir, face à Debruy. On soutient derrière pour Jean-Gilles. Berlin Jean-Gilles en hauteur. Finalement, de l'autre côté, on remet pour Girard. Tente de déborder Thomas. Réussi pendant un court moment. Thomas a réussi à faire dévier cette balle. Et il y aura un autre changement du côté du CSMRO. On va enlever Chandrosa. Et on va laisser la place à Islam Oussama Djema. Alors, Oussama Djema prend la place d'un joueur qui... jouait tout un match en Chandrosa. Ouais, mais bon, je trouve ça prudent quand même de Luc Brutus de sortir certains de ses vétérans, éviter les blessures, éviter les cartons inutiles. Dans un match, je pense qu'on peut dire que ce sera difficile pour Blainville de revenir au score. Blainville, ce qu'ils doivent souhaiter, c'est marquer un but ou deux d'ici la fin. Et les trois marqueurs des buts dans ce match, Théoli, Mouyen et Rosa, respectivement, sont maintenant sur le banc.
On vient remercier ces joueurs d'une belle performance avec un peu de repos. L'entraîneur ne souhaite pas de voir personne faire de doublé, peut-être. Oui. Passe derrière en soutien. C'était validé. Du côté gauche, maintenant, Thomas tente de centrer dans l'axe. Sissoko, contrôle un peu difficile. Son contrôle initial était pas si mauvais, mais il avait déjà une idée derrière la tête, puis le contrôle ne lui permet pas de le faire, donc ensuite il perd le ballon. Le compte sur la droite. Nous en sommes dans les derniers moments de ce match, du moins largement dominé en deuxième moitié de jeu par le CSMRO. Eux qui se donnent une belle longueur d'avance au match retour qui aura lieu à Bienville. Tu me disais que c'était en septembre? Oui, le 5 septembre à 19h. Alors, on aura droit à un match qui risque d'être du moins marqué par l'offensive blainvilloise au tout début. Il va falloir compter les buts. On n'aura pas le choix, sinon c'est chose faite. À vue aux intéressés, ça se passera au Parc Blainville 1. Donc, le 5 septembre, Parc Blainville 1, le match retour Blainville, CMRO. Il y a un cinquième changement du côté du CS Mont-Royal. C'est Diaz Manini qui laisse la place à Abdul Rahman Ahmed du prénom. Nous en sommes dans les 5 dernières minutes de jeu avant les minutes ajoutées ici. Passe derrière pour le contre, mais pour Hernandez. Sur la gauche, De Bruyne. Artistiquement arrive à remettre devant lui. Hernandez pour le compte. Laisse à son coéquipier en passant par là. Voici qui reprend le compte. Une passe qui aura dévié sur un joueur des Griffons. Si bien qu'on se retrouve avec un corner en fin de match, peut-être la chance d'aller chercher un but. Un but qui pourrait faire du bien vu les circonstances. Surpris de ne pas voir Emmanuel Dumont dans la surface pour... Oui, on amène du personnel, mais pas plus qu'il faut. Il y a 3 joueurs en haut de la surface, 4 joueurs dans la surface. Dumont est en effet très loin. Ballon point central d'une tête! Oh! La défensive en dernier lieu arrive à dégager le tout. Vraiment bien fait. L'importance d'avoir un joueur au deuxième poteau. Oui, Dumont garde ce ballon en vie. Voici Jean-Gilles qui laisse pour Dumont. Emmanuel Dumont. Le long de la ligne, tente de centrer directement dans les mains de Nizarohu. Oui, donc Blainville qui passe très près de marquer un but ici. Heureusement, je n'ai pas vu qui est placé au deuxième poteau. Il réussit à sortir ce ballon. Gemma perd contrôle face à Rivard. Un ballon haut de la surface. Belle défensive ici. C'est Anastasopoulos et il y a eu un tacle un peu corsé. Un autre carton jaune dans ce match. C'est sur Aouman. Pas obligé de mentionner que c'est encore une fois l'AS Blainville. Alors, on en avait parlé dans le début, dans l'introduction de ce reportage. 7 cartons jaunes pour l'AS Blainville face au CS Longueuil dans leur 2 matchs de premier tour. C'est tout de même beaucoup. Et encore là, aujourd'hui, on a eu quoi? 3 cartons jaunes? Ouais, 3 ou 4 déjà. Donc, c'est une moyenne que Blainville semble garder en coupe. Sissoko prolonge devant. Le centre de De Bruyne qui dévie. Ouais, De Bruyne qui pensait que Sissoko allait poursuivre sa course. Donc, malheureusement, ce ne fut pas le cas. Gosselin remet au sol devant pour Dumont. Qui connaît pas un vilain match malgré le fait qu'on tire de l'arrière par 3 buts. C'est pas de son côté qu'on a réussi à traverser la défensive. Et ce qui est curieux, c'est que lui-même tente une longue balle. Attention, Costa de Souza dans la surface. Le petit crochet devant le gardien seul. Une belle sortie de la part de Gosselin qui va faire dévier le tout hors ligne. Ouais. Ce que je disais, c'est que Dumont frappe une longue balle sur Jean-Gilles. Et devinez quoi? C'est son miroir de l'autre côté. Anastasopoulos qui gagne le duel de la tête.
Dimitrios Anastasopoulos, c'est l'homme de toutes les confrontations aériennes ce soir. Sissoko. Tranquillement ramène derrière pour Thomas. Au sol, pour Gemma. On perd contrôle et c'est repris par Rivard. Devant pour Aouman. En hauteur, on tente de jouer derrière Thomas. Ce dernier arrive à rejoindre son gardien d'un coup de tête. Ouais, bien joué pour Thomas. Il va rester 4 minutes à ce match. On rajoute 4 minutes au compteur. Notamment dû aux deux buts comptés. Ainsi que les nombreux cartons et escarmouches qu'il y aura eu. Et les 6 changements. Et là, gros contact entre Hernandez et Cossa de Souza. Hernandez a réussi à faire une projection au sol digne de la lutte. Ou même du judo, si vous voulez. C'est un beau mouvement de judo. Bien sûr, un mouvement répréhensible, illégal. On se retrouve avec une situation de coup de pied arrêté. Coup franc. Debruy va s'en occuper avec peu d'élan. Va remettre devant. Bien élu par Rivard qui coupe la trajectoire de la passe. Et c'est maintenant Silla. Dans l'axe. Puissant au sol. Pour Berlin-Jean-Gilles. Arrive à garder possession. Joli dribble. Berlin-Jean-Gilles. Devance pour Rivard qui s'est présenté en attaque. 1-2, Rivard dans la surface. Le tir devant, dévié par la défensive de Thomas. L'extérieur de la surface. C'est arrivé à la toute dernière seconde. Très bien joué de Rivard et de Silla là-dessus. Rivard qui était repositionné au milieu de terrain dans l'axe. Et depuis qu'il est là et qu'il décide de partir devant, est très dangereux. Donc, beaucoup de vitesse. Service de Aouman, point central. Ballon tombe au sol, dévié en hauteur par Cossa de Souza. Contrôle de Nanjari qui veut remettre derrière, mais on perd contrôle. Et c'est maintenant Sissoko qui part. Seul au monde. Sissoko! 4-0! Adama Sissoko! Visiblement, le joueur étoile de cette deuxième moitié de match. Il le mérite amplement, amplement. Et Blainville, qui poussait pour aller marquer un but, a laissé Sissoko sans surveillance. Ça passait du milieu de terrain. Donc. Et honnêtement, de par cette reprise, je me demandais s'il n'était pas hors jeu. Non, il était avant la ligne centrale. Donc en effet, bien vu. Énorme flottement dans la bien défense. Bien vu, il ne l'avait même pas dépassé, en effet. C'est quand même un troisième but qu'on accorde du côté de Blainville où il y a un flottement dans la défense. Donc, on profite d'une largesse, tout simplement, du côté de CSMRO. Et là, il va falloir que l'entraîneur discute avec sa troupe. Non juste pour la suite de la Coupe, mais aussi pour la suite de la saison. Oui, car c'est pas une tendance qui doit se répéter dans la saison. Ces deux clubs qui s'étaient affrontés en saison régulière, on avait échangé les victoires. CS Montréal-Outremont avait gagné le premier match en mai. Un match serré de 3-2. Ouais. Et c'est Blainville qui avait gagné la deuxième confrontation. 3-1. Alors, et c'est pas vrai que le CSMRO est à ce point meilleur que Blainville, sur papier, du moins aujourd'hui, seul l'est. Et curieusement, les deux matchs ont été remportés à l'étranger par les deux formations. Alors, Montréal-Outremont avec la claire victoire aujourd'hui. 4-0, nous en sommes dans les dernières minutes de jeu. Le quatrième but, l'œuvre d'Adama Sissoko. Lui qui aurait été au service des deux buts précédents. Alors, si vous voulez faire la comparaison au hockey, il a un but deux passes ce soir. Ouais. Et maintenant, un carton. Dimitros Anastasopoulos. Inutile. Inutile en fin de match. 4-0. Son deuxième carton du tournoi. S'il aura un service, non, on va y aller en soutien derrière. Hernandez, sur la droite. Lecomte. On se retrouve dans le couloir droit. C'est Rancy qui préfère y aller en soutien derrière à Lecomte. Pression défensive accrue. Un peu trop musclée, dit l'arbitre. Peut-être le dernier moment ici pour l'AS Blainville de compter un but et se donner une meilleure chance dans le match retour. Ouais, parce que si tu marques un but, c'est 4-1. Donc, si tu reviens chez vous et tu remportes 3-0, tu remportes aussi la série. Allez, retour. Ça
Ce serait pas chose faite contre le CSMRO de compter 3 buts et d'en laisser aucun. Sissoko en contrôle. Sur la droite, Gemma applique les freins au coin de la zone. Et cette fois-ci, Hernandez ne s'est pas laissé faire. Par contrôle, Costa de Souza. Un tir de loin, en hauteur. On a tenté de passer par-dessus la tête de Jean-Loup Gosselin. Un tir qui est un peu trop puissant. Ce sera donc un coup de pied pour le gardien. Et voilà le sifflet final qui se fait entendre. Victoire, domination, deuxième demi de la part du CSMRO. 4-0. 3 buts en deuxième demi. Mouyen, Rosa et Sissoko auront compté. Théoli avait compté en première demi. C'était serré dans les 20 premières minutes de jeu. Théoli a brisé la marque un peu avant la mi-temps. Et depuis ce but, ça a été domination pour les Blancs. Oui, mais on avait déjà vu en fin de deuxième demi, Outremont qui s'imposait de plus en plus dans le jeu, gardait possession. On voyait une équipe de Blainville qui essayait d'être disciplinée et de peut-être aller chercher des contres ou des attaques rapides sur les situations. Deuxième demi reprend, Outremont reprend exactement là où il a laissé. Et après, crédit à Luc Brutus, il fait un changement, Armel Dago, Sissoko embarque et il change à lui seul l'image de la partie. Et oui, un but de passe très mérité pour lui. Et là, ça sera très difficile pour Blainville au match retour. Adama Sissoko, clairement le joueur du match ce soir à Ville-Mont-Royal. Le match retour de ce deuxième tour de Coupe PLSQ 2015 aura lieu le 5 septembre prochain au terrain de l'AS Blainville. Sur ce, Francis Maheu, en compagnie d'Alexandre Darroca, on vous dit merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine pour un autre match de la Coupe PLSQ. Là-dessus. Et il y aura faute appelée ici au haut de la surface. Et ça sera un coup franc. Dagrou au ballon pour Mouyen. Belle sortie, un ballon boxé par Gosselin. On se retrouve maintenant à l'extérieur. Théoli, feinte de tir. Coupe, un tir! Oh, quel tir ici de Théoli! Situation de coup de pied arrêté en territoire ennemi. On va renvoyer ce ballon au point central d'une tête déviée finalement. Ouhou arrive à... Du pied gauche, maintenant, est-ce qu'il va frapper au but? Je sais qu'en première demi, il a tenté, il a frappé le mur. Est-ce qu'il va faire une remise? Costa de Souza, un tir qui dévie et arrêté! Jolie parade ici! ...dans la surface pour le CSMRO, que trois joueurs, finalement quatre avec l'arrivée de Rosa. C'est une position qu'il aime bien, Mujin. Tir de Mouyen. Voilà. Et l'arrêt en dernier lieu de la part de Gosselin. Il fait un bel arrêt là-dessus. Premier poteau, le ballon va lui revenir. Rosa pour Sissoko. On sort de la surface. Un tir de loin et un autre bel arrêt ici de Jean-Loup Gosselin qui se démarque. Ouais. Il évite la pression et peut remettre à Théoli. Devance pour Costa de Souza. Retrouve Sissoko, laissé seul. On dit que c'est en jeu. Il est en Sissoko. Jeu. Il est en jeu. Devant pour Mouyen. Et on double la marque. Au bon moment avant d'être hors jeu. Il semble que c'est la défense de l'autre côté, la défense latérale droite qui est un peu trop profonde. Et ce que je disais justement avant, c'est sûr. Il a un ballon hauteur. Désolé de t'interrompre, mais c'est Rosa qui attaque. Tire au sol et voilà, juste comme ça, 3-0. De Nanjari qui veut remettre derrière, mais on perd contrôle. Et c'est maintenant Sissoko qui part. Seul au monde. Sissoko. 4-0.